Aéroport de Glasgow, le 8 avril 2022 à 8 h du matin. A320neo à 32NX fly-by-wire version expérimentale. Mise en route de l'avion pour un vol jusqu'à Nantes, en France. Avec 162 passagers à bord et 1,2 tonne de fret. On va mettre en route l'avion. Contrôle 8 pour passer sur l'overhead panel. Batterie 1, batterie 2, on arme les panneaux d'évacuation d'urgence. On se règle la radio, on règle la fréquence radio sur le sol, sur la tisse. Le QNH est à 29,50. En centième de pouce de mercure. La piste en service est la piste 23. On a l'information Mike. La visibilité est bonne et l'état du ciel est peu nuageux. On va se régler maintenant sur les services au sol et on va demander l'alimentation électrique. On va demander l'approvisionnement en carburant. Et on va demander la passerelle télescopique. La livrée que vous voyez ici ne correspond pas à la livrée Logan que j'aurais voulu télécharger, mais le téléchargement a pris tellement de temps que j'ai la flemme de tout recommencer. Donc on va voler avec cette livrée qui est une livrée d'une compagnie réservée aux VIP. Je vous montrerai l'intérieur de cet avion prochainement pour un autre vol. Donc on est à Glasgow ici. Ok, on remonte dans l'avion. Maintenant que l'alimentation externe est approchée de l'avion et était branchée, je peux cliquer sur External Power ici. Et je vais commencer à faire ma checklist sur l'overhead panel. J'allume les feux de navigation. Je renforce un peu la lumière sur le panneau du haut. Je vais allumer les panneaux
d'interdiction de fumer et pendant que j'y suis, les panneaux des ceintures de sécurité obligatoires. Voilà. Je vais tester, je vais mettre l'oxygène dans les masques du cockpit et je vais faire ma checklist en commençant ici par la gauche. Regarde si les essuie-glaces fonctionnent bien. Bah, je vais en profiter pour faire cette droite aussi. Tout va bien. Bon, on teste les appels de cabine. Ok, ça marche. Ici, donc, tout va bien. Ici, tout est éteint, tout va bien. On peut mettre le ground control en route si on a besoin de parler au technicien au sol, éventuellement. Et on l'arrêtera, bien sûr, avant le repoussage. On va mettre les IRS en route en commençant par IRS 1. Donc on va aligner les IRS en les positionnant sur nav. Donc IRS 1 sur nav. On attend ici que dans ADIRS, ADIRS, là, on voit BAT ON qui s'éclaire, ou ON BAT plus exactement. Et ensuite, on attend que ça s'éteigne pour passer au suivant. Pareil pour le suivant qui est IRS 2. On va avoir une BAT qui va s'éclairer. Voilà, qui va s'éteindre. Et on va pouvoir éteindre. Voilà, le camion est là. Donc là, on va faire le rechargement du carburant. Pour faire le rechargement du carburant, voilà comment je fais. On finira. On va mettre quand même l'IRS en route avant de faire ça. La dernière IRS sur nav. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Voilà, IRS sur nav. Ensuite, on va passer donc en faisant CTRL 0 là sur la tablette. On va allumer la tablette que j'allume pas avant d'avoir branché l'external power, sinon elle a tendance à pas avoir une autonomie très grande et elle risque de s'éteindre. Donc j'importe mon plan de vol depuis SimBrief, le voilà. Ok. Ici, je vais vérifier mon plan de vol, il est bien là. Et vous voyez que le bloc fuel est à 6381 kg. Donc je vais remplir mes réservoirs en cliquant sur fuel, 6381. Et je l'ai mis en instantané, donc ça va se charger instantanément. Voilà. Ok. Très bien, donc on va vérifier le camion, il est là. Donc merci, on a rempli les réservoirs, on peut lui dire de partir. Donc pour lui dire de partir, on ferme la fenêtre carburant hein, que vous avez ici. Voilà. Et vous allez voir que le camion va partir. Une fois que le camion est parti, le camion de carburant est parti, on peut appeler en faisant, on va retourner face à la. Voilà, notre FCU par exemple, voilà. Et puis on va demander le passage. On va demander de monter les bagages et le service de restauration. Voilà. On va renforcer maintenant. Alors on va régler déjà notre QNH puisque tout à l'heure on nous l'a donné et donc on met comme on nous l'a demandé, on le règle sur 29,50. Ok, très bien. Maintenant vous voyez que toutes nos portes sont ouvertes et que tout est en train d'être monté, le service de restauration et les bagages. On va maintenant renforcer le rétroéclairage sur le primary flight display et sur le navigation display du commandant de bord, puis sur le navigation display et le primary flight display du premier officier. On va aussi renforcer l'éclairage sur les cams du haut et sur les cams du bas. Voilà. Donc on va bien voir là. On peut renforcer aussi l'éclairage ici en cliquant sur Bright.
y a une chose qu'on aurait dû faire, que je vais faire maintenant. J'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. C'est contrôle 8 pour être en face. On va régler, on va vérifier en se mettant ici sur test, vous voyez, pour vérifier que toutes les lumières fonctionnent bien sur notre avion. Toutes les lumières qui nous avertissent de ce qui peut se produire sont bien en fonction. Et on voit que c'est le cas. Donc on peut repasser sur Bright. Bien. Alors, j'ai renforcé les lumières. Je vais maintenant, à partir de maintenant, on peut faire monter les passagers puisque le camion de carburant est passé. On ne peut pas faire monter les passagers avant ou pendant que le camion de carburant est en train de faire le refueling. Donc maintenant, c'est possible. Mais on va d'abord faire les tests ici pour savoir si ces avertisseurs d'incendie sur les moteurs fonctionnent bien. Donc on a trois moteurs. On va d'abord tester l'APU qu'on va mettre en fonction en premier. Donc ça doit s'éclairer et sonner quand on appuie sur test. D'accord. Donc je vais le faire. Ça marche. On peut en profiter pour faire le test sur le moteur numéro 1. On voit qu'on sera averti en cas d'incendie. Et moteur numéro 2, pareil. Donc là, c'est bon. Alors, là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut commencer tout de suite à mettre les pompes en route si on veut et ensuite mettre l'APU en route. Moi, je vais commencer à me pencher sur le MCDU avant parce que comme ça va être assez long et qu'on n'a qu'un quart d'heure d'autorisation d'APU quand on est à une porte, je préfère commencer par remplir un peu mon MCDU, donc mon ordinateur de bord. Donc je vais me faire CTRL 5 pour me positionner sur... Voilà, bon, bah, on nous dit que le service de restauration, c'est fini, c'est bien. Ok, ce que je veux voir, c'est si mon copilote est bien arrêté là. Oui, c'est bon. Ok, parce que sinon il va trop vite. Bon, alors, donc le service de restauration apparemment est fini. On va pouvoir la porte de la cabine arrière va donc se fermer. Nous, on va mettre en route, donc on va initialiser notre MCDU en cliquant sur. Alors, on est sur la page MCDU menu sur à-dessus. Donc, on va sur à-dessus. Ensuite sur AOC menu et dans AOC menu sur Init Press. Et là, on fait une demande d'initialisation des données en cliquant ici. Et que la porte s'est fermée là. Ensuite, quand on attend, donc tout est bien là, on voit que pour l'instant le GPS n'est pas encore en fonction. Il sera aligné dans environ 5 minutes. Bon. Donc ça, maintenant qu'on le sait, on peut l'effacer en appuyant sur Clear. Bon, ici tout va bien. On va revenir sur AOC menu par ici et on va faire wait and balance, c'est-à-dire on va remplir l'avion. Donc on va faire monter les passagers. Donc les passagers, je vous signale tout de suite, je vais les faire monter. L'avion va se remplir instantanément parce que je l'ai mis en instantané. Hein, le fait que donc les passagers seront directement dans l'avion et vous entendrez tout de suite un membre de l'équipage qui prévient que tout le monde est monté. Donc on va le faire. Donc ici, je vais faire la demande à partir de mon plan de vol SimBrief en faisant Send. Ça va remplir ces colonnes là. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai bien 162 passagers qui sont répartis comme ça dans les quatre cabines de l'avion. Et ici, j'ai donc mon Zero Fuel Weight. Donc qui est là, donc l'avion n'est pas chargé, donc il est à 25, le centre de gravité, hein. Ça c'est le poids de l'avion à vide. Et vous voyez que ce qu'on va mettre dedans, c'est le poids des bagages des 162 passagers à 20 kg par passager, plus les 1 tonne 2 de fret que je vais rajouter, donc de marchandises qui ne sont pas des bagages, donc que je vais rajouter. Ou alors de bagages supplémentaires, hein, ce qui c'est pareil. Voilà, donc j'ai demandé 1 tonne 2, donc ça fait au total 4. 4 tonnes 4. Voilà. Donc là, je vais faire start. On va remplir l'avion instantanément. Ne vous étonnez pas. C'est moi qui l'ai demandé comme ça dans les préférences sur le flypad. Voilà. Vous avez entendu le membre de l'équipage qui a prévenu que tout le monde était monté. Voilà.
Donc là, on va prévenir, on va commencer à briefer les passagers, à leur dire d'attacher les, enfin bon, tout ce qu'on dit aux passagers quand on monte dans un avion. Voilà. Donc c'est fait. Donc maintenant, vous voyez qu'on a un zéro fuel centre de gravité qui s'est équilibré à 24,8% Mach. Qu'est-ce qui va nous servir à après quand on va remplir la page init. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller justement dans la page init. Vous entendez donc le membre de l'équipage qui parle aux passagers. Okay. Bien, alors, ici, on va faire une demande d'initialisation du plan de vol. Donc là, ça va rentrer notre route. Là. Voilà. Voilà. C'est en train de se faire. In progress, ça veut dire que c'est en train de se faire. Et quand il y aura marqué uplink, là, ça veut dire que c'est fait. On va attendre que ça soit fait. C'est un peu long, quelquefois, hein, il faut attendre. Parce que là, ça dépend de la longueur de la route. La route est assez longue, là. Donc, on va voir ça. In progress, toujours. Hein. Quand il y aura marqué uplink, ça sera fini. On peut commencer à regarder sur notre plan de vol quelque chose qui est important. C'est. Ah, vous voyez, ici, uplink, ça y est, c'est fini. Donc, on va regarder sur notre plan de vol. On va contrôler la tropopause, c'est-à-dire. L'altitude à laquelle la température ne descend plus quand on monte. Hein, donc là, pour nous, ça sera 21 426. Vous voyez que là, il y a une erreur, donc on va le remplir. 21 426. Donc 21 426 que je mets dans la tropopause. Et puis, je vais aussi vérifier ici. Vous voyez, on a une altitude de croisière qu'on a prévue au niveau 250. Eh bien, ici, on vérifie. Hein, 250, c'est ça. Par contre, la température, on nous la mettait à moins 34 ici. En fait, elle sera à moins 46. Donc, on va remplir ça pour que ça corresponde bien à ce qu'on veut. Là, j'ai un C intempestif, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'effacer, le C. Voilà. Et je vais effacer aussi, puisque maintenant, je sais que tout est bien chargé. Je peux enlever tout ça. Voilà. Et on voit aussi que le GPS, pendant ce temps-là, s'est allumé. Donc, on a du GPS et l'avion peut être repéré. Aussi bien en abscisse, en ordonnée qu'en altitude. Hein, voilà. OK. Donc, on sait exactement où on est dans le monde. Alors, le cost index est à 10. On voit qu'on a un aéroport alternatif. LFBD, alors je sais plus qu'est-ce que c'est que LFBD, c'est peut-être Bordeaux, je ne me souviens plus. On peut le regarder si vous voulez. On va faire par exemple parce que ça sera important de le savoir, mais on peut le savoir autrement. Hein, vous allez, mais bon, je vais faire comme ça. Hein. Moi je mets OACI LFBD comme Lima Foxtrot Bravo Delta. Voilà, et comme ça je le sais tout de suite. Ouais, hop, Bordeaux Mérignac, vous voyez. Bon, alors on peut l'effacer maintenant, on le sait. Ok, bon, je vais pouvoir effacer aussi tout ce que j'ai là hein, qui m'intéresse plus. J'avais fait. Ah oui, je voulais vous parler des nuisances sur l'aéroport de Nantes où on va. Hein, et vous voyez que depuis 2 jours, le 7 avril, donc c'était hier même, c'est même pas 2 jours, à compter de ce vendredi, donc aujourd'hui, on est vendredi. Aucun avion ne pourra atterrir ou décoller entre minuit et 6 heures du matin. Donc la décision a été prise à Nantes. Il n'y a plus d'avion. Plus aucun avion entre minuit et 6 heures du matin. Et on met même que la circulation des avions les plus bruyants sera en outre interdite entre 22 h et 6 heures. Voilà. Donc l'aéroport sera fermé. Enfin, il n'y a plus un avion qui pourra atterrir entre minuit et 6 heures, et les gros avions qui font du bruit ne pourront pas atterrir à partir de 22 heures. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'atterris, je vais faire ce vol. Voilà. Donc je vous ai montré ça. Ok. Bien, maintenant qu'on le sait, je peux le fermer. Hein. Et donc là, je vais vérifier ce matin les scéneries. Bon, c'est bien. Et là, vous avez Loganair, hein, dont je vous parlerai une autre fois. Voilà. Ok. On revient là. On a notre plan de vol qui est ici. On va passer à la deuxième page, à la deuxième partie de cette page init.
voyez? Donc là, on va donc se mettre à 250 moins 46, et ensuite on passe à la deuxième page. Donc on va faire ça. Donc je mets 250 slash moins, c'est ce bouton-là, 46. Et vous avez ici, voilà, ça remplace ce que vous aviez. Très bien. Et la deuxième partie de la page, on l'atteint en cliquant sur cette flèche qui va nous faire passer la deuxième partie de la page. Le zero fuel weight, on l'a sur notre plan de vol, bien sûr. Il a été enregistré pendant le plan de vol, donc pendant qu'on chargeait le plan de vol, vous avez vu tout à l'heure. Donc le zero fuel weight est à 60 548 kilos, c'est-à-dire à 60 tonnes 55, mais enfin bon, 60 548 kilos. Et on avait vu que tout à l'heure, on avait un zéro fuel weight centre de gravité, je crois de mémoire que c'était 24,6 ou quelque chose comme ça. Enfin, on va le voir tout de suite, puisque là aussi, ça a été retenu par l'ordinateur de bord, par le même CDU. Donc quand on va cliquer ici, ça va nous le donner. Vous voyez? 60,5, 24,8. C'était 24,8. Voilà. Donc là, on peut le rentrer en recliquant dessus. Ici, on a le block fuel hein, qu'on doit rentrer en tonnes. Et le block fuel, quand vous l'avez rentré tout à l'heure, ça s'est inscrit ici. Notre avion, actuellement, a 6 380 kg de carburant dans les réservoirs. Donc, on va mettre 6,4 puisqu'on arrondit. Hein. Donc, voilà. Donc, 6,4 tonnes. Voilà. Et on rentre ici. Voilà, c'est bon. Ici, ça va se calculer. Vous allez voir. Landing weight va se calculer en principe. Voilà. Donc le landing weight est à 63,4 tonnes. C'est le poids que l'avion pèsera au moment de l'atterrissage. Poids théorique. Hein. En fonction, bien sûr, du vent qu'on va affronter ou qui va nous pousser. Bien, alors ici, si ça nous pousse, ça sera T. Hein. Tail, comme tail, qui veut dire queue. Donc l'avion sera, le vent viendra sur la queue de l'avion, c'est-à-dire l'avion sera poussé. Sinon, s'il vient de face, eh bien, ça sera T. Comment le savoir? Eh bien, on l'a sur notre plan de vol team brief, là. Hein, vous allez le voir. Il est là, le trip wind. C'est donc, on sera ralenti à H7, c'est-à-dire qu'on aura un vent moyen qui viendra à 7 nœuds sur la face de l'avion pendant ce vol. Donc, on va rentrer H7 ici, tout simplement. Donc, on vient ici, on fait H7 et on le rentre ici. Vous voyez, ici, ça a changé. Le landing weight qui était à 63,4, il est maintenant à 63,3, puisque en luttant contre le vent, on va consommer un peu plus. Donc vous voyez qu'on a perdu une centaine de kilos ici pour l'atterrissage. Bien. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. On a bien tout rempli dans la page init. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait rempli ici. Ce qu'il y a à remplir en plus. Mais on le fera quand on aura rentré notre plan de vol, notre départ et notre arrivée. Ça sera ici de remplir ici. On va vérifier quand même les IRS hein, tout de suite. On voit qu'elles sont bien alignées, tout est vert, c'est bon, on peut revenir. Bon, ensuite ici donc ce que je vous disais, ici on a les phases de vol. On va rentrer dans le MCDU, dans l'ordinateur de bord, les valeurs du vent. En fonction des phases qu'on va passer, c'est-à-dire phase de montée, phase de croisière et phase de descente. Voilà. Donc tout ça, on va le remplir juste après, vous allez voir. Mais je vais commencer par faire le flight plan. Donc je vais sur FPLN et je commence par entrer mon départ. Donc le départ, c'est bien Echo Golf Papa Foxtrot, qui est donc l'aéroport de Glasgow. On va cliquer sur EGPF. C'est bien notre départ, donc voilà. Et on va partir de la piste qu'on nous a donnée tout à l'heure quand on a demandé l'ATIS. Hein. À l'ATIS, on nous a dit que c'était la piste 23 qui était en service. Et vous voyez que notre plan de vol, on l'a bien fait avec la piste 23. Donc c'est bon. On va choisir la piste 23 pour le départ. On nous demande une seat, c'est-à-dire l'itinéraire qu'on va prendre, l'itinéraire aux instruments qu'on va prendre pour le départ. Donc, on regardait ici sur le plan de vol, on nous donne cet itinéraire qui s'appelle l'USIV 1 Alpha. C'est ça qu'on va suivre.
Ici, donc, il y a l'usive, vous voyez, ça a 5 lettres. Mais ici, vous avez 4 lettres au départ. Donc, vous prenez les 4 premières, c'est l'usi. Hein. L'usi 1 alpha, donc on cherche l'usi 1 alpha ici. Donc, on va remonter. L'usi 1 alpha. Hop, on le trouve, on clique dessus et il est bien rentré. Donc, on a bien notre piste de départ et notre itinéraire de départ aux instruments. Donc, on peut l'insérer. Voilà, on l'insère. Et ensuite, on va aller sur la destination qui est donc Nantes. Lima Foxtrot remet au Sierra et on va cliquer sur arriver puisque c'est bien notre arrivée. On va arriver à, on a prévu, alors on verra si ça change quand on a au moment de l'arrivée, mais en principe on devrait arriver d'après ce qu'on a vu sur notre plan de vol hein, que je vous remontre par sur la piste 21 à Nantes. Donc la piste 21, on va choisir. On va regarder ce qu'il y a comme possibilité d'approche sur la piste 21. Donc, on va choisir une approche. Eh bien, on voit que sur la piste 21, on a le choix entre RNAV 21 ou VOR 21. Voilà. Et on n'a pas d'autre choix. Bon, on a le choix avec une approche complètement manuelle, mais ce n'est pas ce qu'on va choisir. Donc, on va remonter. Hein. On va remonter jusqu'à RNAV 21, puisque en principe un A320neo est équipé de RNAV. Bien sûr, ce ne sera pas le cas, mais c'est quand même la route qu'on va choisir. Hein. C'est l'itinéraire de descente qu'on va choisir. Donc l'itinéraire de descente aux instruments qu'on va choisir. Voilà. Donc on va. Enfin, standard. Hein, l'itinéraire standard qu'on va choisir pour la descente. Donc voilà. On va choisir RNAV 21. Je clique là-dessus. Vous voyez, ça s'est inscrit ici. Et on nous demande ensuite, donc on a la piste hein, en RNAV, on nous demande le nom de la star qu'on veut emprunter, l'itinéraire qu'on veut emprunter. Donc l'itinéraire, on voit que c'est Godan 1D, donc ce qu'on va chercher, nous, Godan 1 Delta. Donc nous, on va chercher Goda 1 Delta. Donc ici, on revient et on cherche Goda 1 Delta, il est là. Voilà, on clique dessus et il est bien là. Maintenant, on va choisir un via, c'est-à-dire un point de passage pour l'approche. Hein. Donc, cette approche, on va voir quel point de passage on a choisi pour l'approche. Alors, on regarde ici sur nos cartes et notre carte d'approche, elle est là. On a choisi ici une approche RNAV 3 par NITEM. Vous voyez, c'est ce qu'on a choisi. Voilà, sur notre plan de vol, il est là. Regardez, on a choisi cette approche-là. C'est ce qui est en rose, là. Voilà. En orangé. Voilà. C'est ça. Bien. Donc, nous, on va regarder cette approche, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de savoir que ça passe par NITEM. Donc, on va choisir NITEM. Donc, on va appuyer, atterrir en RNAV, piste 21, par le chemin, la route Goda 1 delta et via le point NITEM. Voilà. Et on l'insère. Très bien. Alors, vous voyez qu'ici, on va avoir des contraintes. Pour afficher les contraintes sur la carte, on va appuyer sur contraintes ici. Je vais reculer pour que vous voyez bien. Hein, parce que là, vous voyez pas bien. Je vais reculer. Vous voyez qu'ici, notre FCU, ça s'appelle le FCU, ça. Eh bien, ici, on a dans ce panneau-là. Un bouton qui s'appelle CSTR, ça veut dire contrainte. Constraint. Donc contrainte en français. Et on l'allume. Et vous voyez, ça nous permet de voir ici, quand on agrandit, les contraintes qu'on aura en rose, là. En magenta. On appelle ça magenta. Donc voilà. En rose, vous voyez les contraintes. Là, on va avoir une contrainte d'altitude sur le point Lusive. On va avoir une contrainte d'altitude au niveau 60. Et on aura peut-être plus, hein, je vais regarder au-dessus. Non, pour l'instant, c'est la seule contrainte que je vois ici. Mais on va les regarder sur les cartes, ces contraintes. Donc je reviens ici, je vais me remettre sur 10. Et on va vérifier de toute façon maintenant. On va se mettre en plan, vous voyez, PLAN. Là, regardez, ça change la physionomie de notre navigation display. On voit l'avion, donc qui est là. Nous, on va prendre la piste après. Et on va partir sur Xetune, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va
Cliquez sur Flight Plan là pour bien se mettre au début et on va faire défiler en appuyant sur la flèche qui monte nos points ici. Donc le premier point c'est 530. Hein. Donc ce point 530 c'est celui qu'on voit ici. Voilà. Et ensuite on va, vous allez voir, qu'il va se placer au centre de notre carte plan là. Eh bien ça sera le prochain point. Le prochain point en principe c'est Xetuna. Hein. Vous allez voir, c'est bien là, Xetuna. Ensuite, on doit avoir un deuxième point qui va s'appeler, alors il faut que je me rapproche, Golf Oscar Whisky 158. Voilà, donc on va y aller. Hein, alors pour m'y aller, je vais faire comme ça, voilà, Golf Oscar 158. Pour que vous voyez mieux, j'appuie sur Alt-R, l'Alt de droite par rapport à votre barre d'espace, et ça vous permet, en cliquant ensuite, vous avez vu, il y a un plus qui apparaît, et quand vous cliquez sur un écran, ça l'agrandit. Voilà. Donc, là, on a passé. On est à l'usive. On va aller à l'usive, là, maintenant. Vous allez voir. L'usive va passer au centre de l'écran. Voilà. Et sur l'usive, on voit ici qu'on a la contrainte au niveau 60. Alors, on parle en niveau, maintenant, certainement, parce qu'on va le regarder sur les cartes. Parce que notre altitude de transition est soit égale, soit inférieure au niveau 60. Hein. Voilà. On le verra tout de suite après. Sinon, il y aurait marqué 6000. Hein. Voilà. Puisque en dessous de l'altitude de transition, on parle en altitude, et au-dessus, on parle en niveau de vol. Voilà. Donc, ensuite, on va continuer. Hein. Alors là, bien sûr, on va passer plus rapidement. Hein. Donc, on passe à Elbus. Puis à Navso, puis à Bebni, puis à Delta Charlie Sierra, puis à Subuc, puis à Bilvaux, puis à Guntu, puis à Whisky Alpha Lima, puis à Nokin, Nokin, puis à Risla, puis à Carnot. Ensuite, Robva. Ensuite, Nenvo. Ensuite, Retsi. Ben, il y a un paquet là. Bon, il est long notre voyage. Ensuite, Riles. Ensuite, Dobem. Ensuite, Perup. Ernoc. Ijon. Ijon. Alors là, ça n'a pas passé. Il faut que j'y aille. Voilà. Et Exjet. Notro. Notro, Skezo, alors Upalo, allô, allô, et on passe au-dessus de Rennes, hein. C'est Romeo Echo November, c'est Rennes, hein. C'est le bord de Rennes, ça, je le reconnais. Godan, et enfin Nitem. Donc Nitem, c'est le point, alors Godan, c'est notre point théoriquement de star, si j'ai bien compris. Hein. On va revoir notre star. Je ne me rappelle plus ce qu'on m'avait donné. On va voir la star qu'on nous avait donnée. C'était Godan, 1D. Vous voyez, donc Godan, c'est notre point de star. C'est là où on commence notre star. On a donc on va sur le point d'item, puisqu'on avait dit qu'on passait par le point d'item. Mais vous voyez que là, sur l'item, on a une contrainte au niveau 100. Il ne faut pas être en dessous du niveau 100. Voilà. Donc il faudra qu'on soit à 100 maximum sur l'item. Ensuite. On doit être à 3000 pieds sur Romeo Sierra 404, qui fait partie donc de la Star Goda 1 Delta, hein, comme vous voyez écrit. Et puis ensuite, donc on continue. Hein, je vais vous... Voilà un item. Voilà Romeo 1 Sierra. Alors là, sur Romeo 1 Sierra, vous voyez, sur Romeo Sierra, pardon, sur Romeo Sierra 404, on a non seulement une altitude contrainte, mais aussi on a une contrainte de vitesse, on ne doit pas être à plus de 210 nœuds quand on passe sur ce point. Voilà. Et donc après aussi. Hein. Alors, donc ici, on a sur, sur India Romeo Sierra, on a une contrainte à 3000 que vous voyez, c'est des petites c'est des petits traits comme ça. Hein. Bon, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça veut dire que c'est la même chose qu'au-dessus. Hein. Voilà.
Et puis, donc ensuite, on a une... Alors, regardez bien. On arrive sur le dernier point, là, qui s'appelle MAPT. MAPT. Ben, sur MAPT, on doit être au niveau 463. Hein. Ouais, 460. Donc, on a vérifié que tout est bien juste, ici et là. Donc, c'est bon. Là, il faut toujours le vérifier, tout ça. Hein. Toujours. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur Init. Et on va aller sur Wintemp, qui va nous permettre ici de mettre nos valeurs de vent, donc de composantes des vents, à chacune de nos phases. Donc là, c'est la phase de montée. Hein, le vent en phase de montée. Et voilà. Vous voyez, ce sont des phases donc, du vol. Et là, on va aller donc sur notre plan de vol. Et regardez, sur notre plan de vol, on va aller plus bas. Alors, le plan de vol, moi, je l'ai fait au format Easy. Hein. Donc, le vôtre, s'il est par exemple au format Lido, il sera un peu différent. Hein. Il ne sera pas présenté pareil, mais les indications, elles y sont toutes, c'est les mêmes. Hein. Enfin, c'est les mêmes indications présentées différemment. Moi, je me sers de ça parce que j'ai maintenant pris l'habitude. Mais alors, vous avez un endroit, de toute façon, où vous allez voir Climb et puis chaque point de passage. Là, voilà. Il y en a un paquet. Et puis ici, ça arrivera jusqu'à descente. Nous, on est à climb là. Donc, on va aller voir sur climb. On sait qu'on va voler au niveau 250. Donc, ici, pardon, je suis allé trop loin. Sur climb, on sait que ça ne sert à rien d'aller voir 310 et 350. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau 100 en montée, niveau 100, niveau 150 et niveau 200. Donc, on va renseigner ça et vous allez voir comment. Bon, alors, je vous le montre. Hein. On lit les composantes du vent. Ça, c'est la composante du vent en degrés, la première composante, et ça, c'est la deuxième composante en degrés. Et là, c'est le niveau de vol. Donc, nous, on va rentrer la première composante, un slash, la deuxième composante, un slash, et enfin, le niveau de vol. Voilà. Donc, je vous le dis parce que je vais pas je le mets sur mon deuxième écran, ça. Je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. Vous me croyez sur parole, ou bien alors vous le reviendrez le voir ici à chaque fois. Hein. Voilà les contraintes qu'on a. Voilà, je vous les montre toutes. Donc, je vais commencer par celle-ci. Bon, OK. Alors, je vous dis tout de suite, on ne va pas rentrer toutes les contraintes de croisière parce que ça fait trop long. Mais en principe, il faudra les rentrer. Donc, il y a peut-être un moyen de les rentrer en automatique dans la réalité. Ça, je ne sais pas. Donc là, au niveau 100, on est à 324,15 au niveau des composantes du vent. Donc, 324,15. Et je mets le niveau, toujours avec un slash entre chaque chiffre. Voilà, 324, et voilà. Donc la deuxième composante, c'est celle qu'on aura à 150, au niveau 150, c'est 313,021. Donc je mets 313, slash 21, slash, on n'est pas obligé de mettre le 0, hein. 21, slash 150, puisqu'on sera au niveau 150. Là. Voilà, et je le rentre en dessous. Et c'est toujours dans la montée. Ensuite, dernier chiffre qu'on a rentré, puisque après ça sera au-dessus de notre vol, c'est 329,200. Voilà. Bon. Maintenant, on a rentré ça, ça suffit. On va passer, puisqu'on ne va pas monter plus haut que 250, et que le chiffre qu'on a ensuite, comme vous le voyez ici, c'est 310, donc on n'y va pas. Donc on ne va pas le rentrer. On a décidé de voler au 250. Comment j'ai décidé ça? Je vais vous le montrer quand même. Comment j'ai décidé de voler au 250? Eh bien, je l'ai décidé en rentrant mon plan de vol ici sur Little Nav Map. Vous voyez, je rentre mon plan de vol ici, hein, vous voyez, là. Ensuite, je lis la description et je mets à jour mon plan de vol. Enfin, voilà. Donc là, c'était pour vous montrer comment on rentre le plan de vol. C'est donc ici, hein, voilà, avec ce truc, avec la croix bleue, là. Hein. Ensuite, donc le plan de vol, vous l'avez copié, en fait, sur votre plan de vol SimBrief. Hein. Et puis, vous le rentrez, voilà, vous mettez le nom du départ, le nom de l'arrivée, code OACI du départ, code OACI de l'arrivée, entre les deux, vous collez ce que vous avez copié sur le plan de vol
SimBrief, hein, que vous avez fait sur SimBrief, que je vous montre, hein, qui est là. Donc vous copiez ça, là, hop, enfin, vous copiez juste les points de passage, là, hein, et ça vous donne ça, là, paf, voilà. Hein. Donc vous le rentrez ici, au milieu, hein, refaire, là. Voilà, vous le rentrez ici au milieu, vous le collez, là, et puis après vous faites lire la description, et après vous faites créer le plan de vol, enfin bref, voilà. Ok. Et là, une dernière chose qu'on j'ai pas faite, qu'on va faire tout de suite. Ici, vous voyez, quand vous êtes sur l'arrivée, c'est Lima Foxtrot Romeo Sierra, c'est donc Nantes. Vous faites un clic droit et vous faites afficher procédure de destination. Et regardez, les procédures de destination s'affichent ici. Nous, on a dit que puisqu'on va atterrir, bon, on le revoit hein, sur notre plan de vol, on va atterrir par Godanindé, hein, sur la piste 21. D'accord? Donc, on va remettre ce qu'on a choisi pour notre plan de vol. Hein. Regardez, vous vous souvenez, on a décidé Air Nav Runway 20, 03 par Goda 1 Delta et par NITEM. Voilà. Donc regardez, on se met sur approche ici. Approche, donc approche piste 03. Air Nav. Alors, vous voyez que Air Nav, nous, on a choisi. Je vous le remonte parce que là, ça, il faut que ça soit clair quand même. Hein. Oui, j'ai choisi cette carte, moi. Dans les possibilités qui sont là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, mais nous, on a choisi cette possibilité sur la piste 03. On aurait pu, puisque c'est la piste 03, passer par un ILS. Hein. On peut encore changer. Ça serait mieux. Alors, je vais regarder ce que j'ai mis dans mon plan de vol ici. Hein. Je revois, vous voyez, parce que là, je m'aperçois que j'aurais pu prendre peut-être quelque chose d'un peu différent, mais ça ne changera rien. On va revenir sur Flightplan, on reviendra ici, maintenant c'est rentré, c'est bon. Ok, regardez, ici, ah non, j'ai décidé de passer par la piste 21, parce que sur mon plan de vol, on me donne la piste 21, oui. Donc ce n'est pas la piste 03, donc c'est là-dessus que je me suis trompé. Hein. Donc vous voyez, là j'ai choisi AirNav 03, c'est faux, hein. On est d'accord, on va changer là. On va choisir une approche AirNav 21 par NITEM. Voilà. Là, c'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. Donc voilà, j'ai bien fait de vérifier, vous voyez. Donc ça y est. Donc la carte, on va la changer. On va l'afficher. On va l'afficher. Donc voilà, voilà notre carte d'arrivée, hein, finalement. C'est pas celle qu'on voit là. C'est celle-ci. Donc je vais la mettre là. Finale approche. C'est la carte. Le numéro de la carte est important. C'est la carte 11-0. Hein. Donc on doit la voir quelque part ici. 11-0, on l'a ici. Voilà. AirNav. Ok. Donc celle-là, elle est fausse. Hein. Je peux la supprimer. Donc je la supprime. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc c'est cette carte qu'on va prendre. Et on a une. Quand on lit bien ici, on voit que pour l'approche finale, il faut regarder la carte 12. Donc ici, 03 final approche, ça je vais l'enlever aussi, je ne sais pas pourquoi elle est là. Je vais l'enlever. Voilà. Et qu'est-ce que je dis? Je vais l'enlever comme ça. Voilà. Très bien. Je ferme. Et je vais choisir donc ici. Alors, regardez bien. Hein. Celle-ci, c'est celle qu'on a chargée ici. Hein. Donc. C'est notre approche. Je la mets ici. Voilà. Et celle-ci, c'est l'approche finale. Et dans cette approche finale, on nous dit que c'est la 12-1 qu'il faut voir. Donc je regarde la 12-1. Là, ça c'est l'aéroport de Nantes. Hein. Je vais dans l'approche et je cherche la carte 12-1 que je vais coller ici. Comme ça, je l'ai. Voilà. Donc ce que je ne comprends pas, vous voyez. Eh non, j'ai encore la carte 03 là, je comprends pas. Ah, oui, donc c'est peut-être la même approche en fait. Hein, voilà, c'est la même approche que la carte 12-1. C'est-à-dire qu'on pa on passe. Mais non, regardez, c'est pas bon du tout là. Je recommence. Celle-là, elle est fausse. Hein, on est d'accord. C'est pas une approche. C'est sur la piste 03, 21. Voilà. Donc là, voilà, voilà la piste 21, c'est celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on me dit? C'est la 12-2. C'est pas la 12-1, c'est la 12-2. Vous voyez? 12-2. Alors on cherche ici 12-2.
On va essayer de la trouver. Ben, je la trouve pas, comment ça se fait? 12-1. Ben, il me manque cette carte là, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai un problème là. Bon, je vais fermer ça. Celle-là, elle est juste. Et je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas la carte d'approche à Nantes. La carte 12-1 en approche. Je ne la trouve pas. J'ai la 12-2. La 12-2. J'ai la 12-1, mais je n'ai pas la 12-2. Bon, écoutez, on se servira de la 12. On se servira de la 12-1. Puisque j'ai pas la 12-2. Ça doit être à peu près la même approche, hein, de toute façon. Ça ne doit pas changer grand-chose. Ah, là voilà. Ouf, ça y est. J'ai trouvé, excusez-moi. C'est moi qui. Je ne regardais pas dans les bonnes pistes. C'est celle-ci. Donc là, RNP 21, carte 12-2. Ça y est. Ouf. Bon, excusez-moi, là, j'ai merdouillé un petit peu. Voilà. Bon, voilà, ce coup-là, on a tout qui est bon. Ok. Donc c'est pour ça que je m'étais trompé. Donc on va bien arriver ici sur la piste 21 comme j'avais prévu. Par Goda 1D, c'est bien ça, et par Nitem. Voilà. C'est impeccable. Voilà. Insert. Donc c'est bon, hein, on n'a rien changé. C'est bon, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, c'est moi qui m'étais trompé dans mes cartes. Voilà. Donc là, je peux repasser en arc. Et on va faire démarrer l'avion. On va faire démarrer les pompes déjà, hein, puisqu'on a fini ça, le plan de vol. Ah oui, ce que j'avais pas fini, c'était init. Hein. Bon, on va repasser dans init et on va aller dans Wintemp. On va vite faire là, on va mettre le premier, la première vente croisière pour le premier. On va le mettre. Hein. Puis le reste, on aura le temps de le faire parce que le vol est long. On aura le temps de le faire pendant le vol. Je vous montre juste une chose, c'est comment on rentre. Bon, pour le vent de croisière, c'est exactement la même manière. Hein. On va ici. Donc ici, le premier qu'on va rentrer, puisqu'on va voler au 250, vous voyez, ici, on nous donne la valeur 250. La valeur 250, c'est la première, c'est sur Bebni. Donc on va rentrer celle-là, 279,044. Ensuite, on va rentrer une après, qui va disparaître quand on aura passé Bemini, qui sera celle-ci, celle de Delta Charlie Sierra, voilà. Et puis ensuite Subuc, etc. Voilà. Donc on les rentrera tous les unes après les autres. Et à mesure qu'on passe sur un point, il disparaît et c'est l'autre qui rentre en service. Voilà. Donc on va rentrer le premier sur Bemini, donc. Hein. Qui est donc au niveau 250, il faut bien choisir le niveau, c'est notre niveau de vol, 279. Alors on va le faire. Ah, zut, j'en ai lu qu'un, bêtement. Donc c'est 279,44. Voilà. Donc 279 slash 44 slash 250. Voilà. Et on rentrera les autres. Pour chaque point qu'on va passer, on les rentrera ici. Mais on a le temps pendant le vol. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais juste vous faire la phase suivante, qui est la phase de descente, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, la next phase, pardon. C'est pas la juste phase, c'est la next phase. Voilà. Donc, descente. Voilà ce qu'on a. Et je vais vous montrer comment on le rentre, parce qu'il y a une petite particularité pour la descente. C'est que vous voyez, à la descente, donc nous, on arrive au niveau 250, donc le premier niveau qu'on va trouver, c'est le niveau 200. Donc nous, on va rentrer 251,61. Et bien sûr 200. Puisque c'est le premier niveau qu'on va rencontrer. Et on le rentre ici. Mais pour les niveaux suivants, vous voyez qu'ici, on a un niveau 100. C'est notre niveau de fin. Hein, c'est le dernier niveau qu'on doit renseigner. Donc là, quand on va sur notre descente, là, vous voyez qu'il est là, le niveau 200. Alors, s'il y en avait eu un entre les deux, si par exemple on était arrivé au niveau 300, 10, 300, ben, on aurait rentré 300, 200, et si on était descendu du niveau 300. Mais là, on descendait du niveau 250, donc on n'a que 200 et 100 à renseigner. Donc, au niveau 100, c'est 258,55. Mais comme on a déjà le niveau ici, hein, que c'est le dernier niveau, on le met ici sans renseigner le niveau 100 puisqu'il y est déjà. Voilà.
et on l'entre ici. Voilà. Donc là, on a rentré nos phases de vol pour le vent, les composantes du vent. Donc ça, c'était très important à faire depuis qu'on est en VNAV dans la 32NX, puisque c'est pour la VNAV qu'on fait tout ça. Bien. Alors, maintenant, on va mettre en route notre avion. Alors, je vais me remettre sur Flyplan, là, puisqu'on a fini. Il nous restera à remplir les performances. Mais avant de remplir les performances, je vais me positionner avec CTRL 8 sur mon panneau du haut et mettre en route mes 6 pompes. Ah, mes 6 pompes à carburant qui me permettent de faire venir, qui me fait venir la pression dans le, la pression dans les moteurs. Voilà. Okay. Notamment dans l'APU. Voilà. Et on va mettre en route l'APU. Donc l'APU, je clique sur APU, je regarde ici, j'attends ici de voir que les clapets sont ouverts, c'est-à-dire qu'il est marqué Flap Open, voilà, Flap Open, et quand Flap Open est ouvert, je peux appuyer sur Start ici, voilà, d'accord ? Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on attend que la température des gaz d'échappement se stabilise, là, EGT, ça veut dire température des gaz d'échappement, et ici, que la valeur, le paramètre EN, qui est un pourcentage, arrive à 100%. Vous voyez ? Donc on attend ça. On peut faire autre chose pendant ce temps, on peut faire d'autres vérifications. Par exemple, on peut, si on se repositionne différemment, commencer à voir ici si tout est bien rempli. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu plus de lumière ici sur cette position là, et ici sur la position du bas. Que j'appelle ça, c'est ce que j'appelle le piédestal. Le piédestal. Bon, il y a une chose qu'on peut faire aussi, c'est descendre de l'avion, faire le tour de l'avion hein, en marchant autour, hein. Regarder les moteurs, les roues et tout. Ça, le pilote doit le faire, donc on le fait. Là. Vous voyez. Bon, là, ils ont fini de remplir les trucs, on va pouvoir leur dire de fermer. Là. Bon, mais on va le verra juste après. Donc, on a vérifié, on ferme notre porte. Voilà, c'est pour ça que je voulais descendre, c'est pour pouvoir fermer la porte. Alors là, fermez la porte, je vous dis tout de suite, il faut se mettre vraiment prêt pour que ça marche. Voilà, bien. Ici, il y a une autre chose qu'on va faire tout de suite, pour ne pas l'oublier. Ça, c'est un bouton qui sert à être informé si on a des vents de cisaillement qui sont dangereux. Donc, on positionne ce PWS là sur auto. Voilà. Voilà, voilà. Bon, très bien. Après ça, on va s'en occuper juste après quand on va faire notre demande. Mais là, vous voyez qu'on a... pendant qu'on discutait, vous voyez, tout est revenu normal ici. Ça veut dire que notre APU a démarré et donc on va mettre l'APU bleed en marche là. Voilà. Et deuxième chose, puisque l'APU a démarré, on n'a plus besoin de l'alimentation externe. Donc j'arrête l'alimentation externe et je demande à ce qu'on m'enlève l'alimentation externe. Le camion qui me sert à l'alimentation externe. Et je demande ici, demande de fin d'alimentation électrique. Et puis, on va demander la fin du service bagage, puisqu'ils sont bien rentrés, là. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, les portes vont se fermer. On va le voir ici. Les portes vont se fermer. On va aussi demander qu'on nous enlève la passerelle, puisque de toute façon, on n'a plus besoin de la passerelle. Tout le monde est là. On a fait notre tour sous l'avion. On n'a plus besoin de que la porte soit ouverte. Donc, on va demander le détachement de la passerelle télescopique. Et donc, toutes les portes vont être fermées de l'avion. Donc, là, on pourra commencer à bouger. Donc, il y a une chose qu'on va faire maintenant, avant d'aller plus loin, c'est de demander, ici, avec l'autorisation, et on va faire retour vers l'autorisation et on va faire une demande d'autorisation. On va demander l'autorisation IFR pour le plan de vol aux instruments. Voilà. Et donc on va nous donner des informations très importantes qu'on va lire ensemble. Voilà. On les lit. Vous voyez, on nous dit que notre transpondeur doit être réglé sur 4666, 4666 et qu'on devra monter. On a une initial climb clearance qui est à 9000 pieds et on nous confirme la piste à 2-3. Donc, ensuite, je me règle. Alors, mon transpondeur, je le règle sur, je me souviens plus, 4666. Voilà.
Donc ici, pour effacer ce que vous voyez là, vous tapez, vous cliquez deux fois sur clear. Et 4. Oui, je vais répondre, hein, mais. 4, 6, 6, 6. Donc parce que là, ils sont très impatients que je réponde, mais je préférerais régler avant. Donc relire. Eh ben, je vous expliquais en fait. Relire. Voilà. Je relis l'autorisation. Ils savent maintenant que j'ai bien compris. Alors, là, j'ai réglé mon transpondeur. Ils m'ont donné une autre information qui est l'initial climb clearance, c'est-à-dire la montée initiale, l'altitude qu'on doit atteindre, le niveau qu'on doit atteindre pour la montée, qui est à 9000 pieds. Voilà. Donc, on va se régler ici sur 9000. Et vous voyez que quand je me règle sur 9000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, la petite pastille ambre, jaune, jaune foncé là, presque orange, s'est allumée, est arrivée. Vous voyez, donc on a déjà deux petites pastilles qui sont là, et on va continuer à tout préparer pour le départ. Bien. Après, on va pouvoir faire une demande de roulage IFR, mais avant, je vais bien sûr remplir mes performances, hein, ma page perf. Il y a une première chose à faire, c'est regarder la page RADNAV. Ici, on a l'ILS de la piste sur laquelle on va décoller, hein, donc sur de la piste 23. Si jamais on avait besoin de ratterrir parce qu'il y avait un problème, on pourrait réatterrir tout de suite avec cette ILS, qui est l'ILS de notre piste de départ, hein, voilà, pour réatterrir. Bien. Cette ILS, nous, on n'a rien à rentrer ici, puisqu'on va atterrir en RNAV, RNP, c'est-à-dire qu'on va atterrir avec un système embarqué, avec les instruments qui sont embarqués dans l'avion et sans aucune balise au sol. Donc là, on n'a rien à remplir pour l'atterrissage, hein, on est d'accord. Voilà. Puisque le RNP, enfin la RNAV, c'est justement une manière d'atterrir, d'approche, et qui ne se fie qu'aux instruments qui sont dans l'avion, embarqués dans l'avion. Donc nous, on a un A32NX A320neo qui est équipé, qui a tous les équipements modernes et qui permet d'atterrir sur les pistes qui sont qu'ils peuvent, hein, bien sûr. Il faut quand même que les pistes soient, qu'il y ait des cartes au moins sur ces pistes pour atterrir comme ça. Mais si vous avez les cartes pour atterrir en RNAV sur un aéroport, eh bien, sur une piste d'aéroport, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on n'a rien à rentrer ici. Ensuite, en prog, on vérifie que le niveau de vol est bien à 250, comme on l'avait prévu, et que le GPS, le GPS, qu'ici, c'est bien écrit GPS primary en vert, et que la précision, accuracy, précision est haute. Voilà. Non, d'accord. Alors, c'est le cas. Donc là, on est rassuré, tout va bien. Voilà. Ensuite, il nous reste à cliquer sur perf. Sur perf, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une altitude de transition qui a été marquée automatiquement à 6000 pieds. On va vérifier que cette altitude de transition est bien la bonne sur Glasgow. On va donc sur nos cartes. Eh ben zut, j'ai fermé les cartes. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais à chaque fois, ça me fait le coup. Donc, je vais être obligé de tout relancer, excusez-moi. Enfin bon, ça va aller vite. Voilà, SimBrief. Bon, par contre, les cartes, je vais être obligé de les rouvrir manuellement, mais ce n'est pas grave. Donc, l'approche, je vais vite la remplir. Donc, RNAV 21 item, hein, c'est ce qu'on avait dit. OK. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... Puisque vous voyez, ce qu'on va remplir ici en perf, c'est le take-off. Les valeurs pour la phase de take-off. Donc, on nous demande ici l'altitude de transition. Pour connaître l'altitude de transition, il faut aller sur les cartes de l'aéroport de départ, hein, ici, voilà, et, par exemple, sur les cartes d'approche, nous, on va décoller de la piste 23, donc on veut prendre cette piste, par exemple, on va sur voir ILS, là, et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est marqué ici, Transalt, altitude de transition, 6000 pieds. Donc, c'est bien juste. Voilà. On a vérifié que c'est juste. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est remettre la carte de l'aéroport que j'ai tout effacé, malheureusement, bêtement. Bon, bref. Et puis, on peut remettre aussi la carte de... OK. Que je vais remettre aussi. Voilà. Bon. Maintenant, ça va. On va pouvoir effacer ça. Voilà. Et puis, on va continuer à remplir notre départ. Alors, le départ, ici, qu'est-ce qu'on a à remplir? On doit dire à l'avion quelle
quel cran de volet on va décider pour démarrer. Comme c'est une piste qui est longue et que c'est un démarrage tout à fait standard qu'on va faire sur un A320 Neo, c'est toujours 1 dans ces conditions-là. Il n'y a pas de conditions particulières, ni ni de piste courte, ni de vent. Bon. Donc, on va démarrer en 1. On fait un slash. Et puis, on pourrait décider de démarrer en flex. Et à ce moment-là, il faudrait le calculer. Alors, si vous avez envie, on peut. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez envie de suivre encore un peu plus longtemps? Je peux calculer le flex. Pour calculer le flex, c'est un peu long. Mais on va quand même se le calculer. Vous ouvrez votre Excel, vous trouvez. Qu'est-ce que c'est ça? Votre vie privée, personnalisable de Microsoft, personnalisable. Allez, ne pas personnaliser. Merci, terminé. Bon, ce que je vais faire ici, vous voyez, j'ai ce fichier-là qui va nous servir. Ce fichier, il permet de calculer, soit de calculer les valeurs de décollage ou d'atterrissage en fonction du vent, en fonction de tout, de la piste, etc. Donc, nous, on a un choix ici, soit en toga, c'est-à-dire à fond les manettes, hein, ici, là, à fond, toga, vous voyez, c'est là, hein, sur les gaz, soit en flex qui est là. Bon, nous, pourquoi on va faire ce calcul? C'est en flex parce que si on décolle en toga, ça se fait automatiquement le calcul. Si c'est en flex, il faut le calculer nous-mêmes. Donc on va le calculer. Donc on se positionne ici sur flex, puisque c'est pour ça qu'on le fait. Et là, il va falloir remplir tout un tas de choses spécifiques à notre vol. C'est-à-dire déjà, aller sur la carte de l'aéroport qu'on voit ici. On voit notre avion qui est ici, là. Et notre piste, ici, piste 23, c'est là qu'on décolle. Et ici, vous voyez, on nous dit. Alors, je vais essayer de jongler avec les deux, là. Et ici, on nous dit runway. Alors, le numéro, le cap de la piste, hein, le cap ou la course de la piste, si vous voulez, il est écrit juste en dessous du 2-3, là, du numéro de la piste qui est 2-3. Et bien là, on voit 229, c'est qu'il est au 229. Il faut renseigner ici 229. 229. Vous voyez? Voilà. Ensuite, vous avez l'élévation de la piste. Et bien, l'élévation de la piste. Elle est ici, vous voyez, élève 18. La piste, le début de la piste est à 18 pieds. Donc, c'est ce qu'il faut rentrer en pied. Vous voyez, FT, ça veut dire foot. Donc, feet. Donc, vous rentrez 18, là. Voilà, 18. OK. Ensuite, la longueur en mètres, ce coup-là, hein, vous voyez, en M, mètres, eh bien, c'est écrit ici, 2665 mètres. Ce qui est largement suffisant pour décoller. Pardon, 2665. Voilà. Alors voilà, donc la longueur de la piste, on l'a rentrée. Alors là, il y a quelque chose à calculer, c'est pour ça que c'est un peu long. Mais c'est là, vous voyez qu'au début de la piste, on a une élévation à 18 pieds, et à la fin de la piste, on a une élévation à 26 pieds. Donc quand on part d'ici, hein, de la piste 2-3, eh ben on monte. Hein, la piste monte. Donc ça, il faut le renseigner. Donc c'est un pourcentage de montée qu'on va être obligé de renseigner ici. Slope pourcent, c'est ce qu'on nous demande ici. Comment le calculer? Ben, c'est très simple. Vous allez chercher votre calculette. Vous rentrez la fin de la piste, 26. Commencez toujours par le bout, hein, celui vers lequel vous allez. Donc 26. Vous faites moins et vous retirez. Donc, le début de la piste qui est 18. Hein. L'élévation au début de la piste qui est 18, là où vous êtes quand votre avion est avant le décollage. Hein. 18, voilà. Et vous faites égal. Donc, on voit qu'il y a 8 pieds. Il faut monter 8 pieds entre le début de la piste et. Voilà. Donc, c'est une montée. C'est un plus. Hein. Si c'était une descente, il y aurait un moins devant. Hein. Donc, ça serait une descente. Ça serait donc un pourcentage négatif. Mais là, on est en positif. Hein. Donc, une fois qu'on a calculé cette montée, le nombre de pieds qu'on va monter pour le décollage, eh bien, il faut chercher le pourcentage, c'est-à-dire qu'il faut diviser par la longueur de la piste, hein, le pourcentage de pente, hein, donc la longueur de la piste, mais bien sûr, puisque c'est des pieds 8, il faut le prendre en pieds. Et vous voyez que là, on ne va pas se servir des 2665, mais des 8743 pieds. Alors, diviser. Alors ça va faire un petit chiffre, on est d'accord. 8743. Voilà. Et vous faites égal. Alors là, ça vous donne un chiffre tout petit, là, vous voyez?
Mais là, vous le multipliez par 100, puisque c'est un pourcentage. Voilà. Et ça vous donne donc un pourcentage de 0,09% de pente. Voilà. 0,09% de pente. Voilà votre pourcentage de pente. Et bien là, vous allez rentrer 0,09. Voilà. 0,09. Enfin, moi, quand la virgule se met quand vous appuyez sur point. Voilà. OK, sur votre clavier. Bon, voilà. Alors ça c'est s'il y a une prolongation de la piste. Mais là, on ne vous donne pas. Alors, vous pouvez trouver ce genre d'informations sur les cartes de la piste. Hein. C'est-à-dire que si vous revenez ici, bon, si vous fermez ça, et que vous revenez ici sur les cartes. Voilà, vous affichez les cartes à Glasgow. Et là, en principe, vous pouvez avoir sur les briefings des informations sur s'il y a quelque chose après la piste qui vous permet, s'il y a, bon, mais là, vu que la piste est longue, vous pouvez mettre no, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est pour les pistes courtes que c'est important. Hein. Mais là, il n'y en a pas besoin. Voilà. OK. Sinon, vous pouvez rajouter un emplacement dégagé après la piste qui vous permet de passer les roues si les roues ne sont pas encore rentrées. Hein. Voilà. OK? Voilà. Bon, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Mais là, vous mettez no. Hein, on peut mettre no ou bien 1. Voilà, no ou yes. Voilà, nous on met no. Et ici, donc on a fini avec les cartes, là, vous voyez? Là, les cartes, on a fini. OK, on peut donc cliquer là, ressortir notre truc, pardon. J'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave. On va maintenant passer sur notre flypad, c'est-à-dire sur notre tablette. Hein. Donc moi, je fais CTRL 0 pour passer sur ma tablette. Je vais aller là. Et là, j'ai les informations sur. L'aéroport sur le métard de l'aéroport de départ qui est donc Glasgow. Voilà. Donc je vais retrouver mon fichier là. Voilà. Et ici on vous demande quelles sont les conditions de métard sur l'aéroport de départ. Donc ici vous voyez on peut lire que la pression est à 999. Donc c'est une pression très très basse finalement. Alors on va la mettre. C'est une pression en pouce, qu'est-ce que je dis? Ça y est, je me rappelle plus le mot. Bref, c'est pas grave. En millibar, voilà, en millibar. Voilà. Donc ici, en millibar, vous allez mettre la pression à 999. Voilà. Ensuite, on vous dit ici, on vous demande ici vous avez le sens du vent. Hein. D'où vient le vent? Il vient du 280 à 5 nœuds. Donc vous allez mettre ici 280 et la vitesse du vent 5 nœuds. Quartier, ça veut dire note, qui veut dire nœud en français. Voilà. Ensuite, vous avez ici la température au sol. On peut la lire ici, elle est à moins 1 degré. Donc là, il faut taper moins 1. Voilà, moins 1. Très bien. Voilà, et puis la piste, vous voyez qu'il ne pleut pas aujourd'hui, donc on va mettre dry. Hein. Dry, ça veut dire sec. Mais si c'est mouillé, ben, vous avez plusieurs possibilités. Nous, on va le laisser en sec, puisque la piste est sèche. Hein. C'est rare en Angleterre, mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Bien. Ok. Non, je suis mauvaise langue là. Ok. Bon, take off weight. Alors là, on n'a plus besoin d'être sur la tablette. Par contre, on a besoin de notre plan de vol. Donc il est là, on le ressort. Hein. Et on va sur les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont tout au début. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on nous demande? Le take-off weight, c'est-à-dire le poids au décollage. Hein? Donc le poids au décollage, on l'a ici. Il est de 66 669 en kilos, 66 000. Mais nous, on le demande en tonnes, donc ça va faire 66,7. Hein? On arrondit, bien sûr. 66,7. Voilà. Ensuite, donc, on a choisi flex, hein, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait tout le calcul. Et notre configuration, on a bien mis, positionné nos volets sur la position 1, donc c'est la config 1 plus F, c'est celle-là. Hein. L'air conditionné, eh ben, on va dire qu'on va l'arrêter, on peut soit le laisser pour le décollage, soit l'arrêter. Bon, en général, on l'arrête pour qu'il y ait plus de puissance au décollage, donc on peut. L'arrêter, il faudra penser simplement, vous allez voir, à enlever l'air conditionné
au moment du décollage et le remettre après. Voilà. L'anti-ice, aujourd'hui, ben, comme le toit est dégagé, qu'il n'y a pas beaucoup de nuages au-dessus, eh bien, on va le mettre laisser sur off. S'il y en avait besoin, ben, on le mettrait sur on. Engine only, or engine on wings. Voilà, donc les anti-ice. Là, on va mettre tout sur off pour le décollage. Bon, on est à moins 1. Le point de rosée, il est. Bon, on verra, hein, mais voilà. Et puis, le TOCG. Alors, ça, le TOCG, on peut, il faudrait le calculer. Mais je ne l'ai pas. Hein. En fait, on n'arrive pas à le calculer vraiment. Vous vous souvenez qu'on avait 24,8. Ce que vous pouvez mettre ici, puisqu'on est à 24,8, vous pouvez mettre 24,8. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en principe, il faudra avoir. Là, ce que je vais mettre, c'est le zéro fuel weight centre de gravité, 24,8. En général, le TOCG est un peu plus faible. Donc, vous pourriez mettre 24,5 si vous voulez. Hein. Mais ça reviendra au même hein, au niveau. Vous allez voir. Je vais vous montrer ce que ça change. Ça change presque rien. Donc, vous pouvez mettre 24,8, c'est pas bien grave, ou 24,5, comme vous voulez. Vous savez que c'est autour de 24, entre 24 et 25 en tout cas. Donc, vous pouvez mettre 24,5 par exemple. Alors, on va mettre 24,5. Donc là, je mets 24,5 puisque le zéro fuel weight centre de gravité est à 24,8. En mettant 24,5, vous êtes bon. Hein, voilà. Ok. Donc. Parce que là, avant, on pouvait le calculer directement sur le MCDU. Maintenant, on ne peut plus. Bon, donc c'est pour ça que je suis obligé de le faire comme ça. Voilà. Et quand vous cliquez à côté, vous avez vu, ça y est, vous avez vos valeurs qui sont là. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer tout ça dans notre MCDU. Donc, je vais me repositionner. Donc ça va disparaître, mais ne vous inquiétez pas, je le remettrai. Je vais me repositionner sur mon MCDU en faisant CTRL 5. Et là, je vais pouvoir remplir ces valeurs avec les valeurs que j'ai trouvées dans ce calcul qui sont là. Alors, les valeurs qu'on a demandées, c'est ce qui nous intéresse, c'est donc ici, donc on va mettre 1, et là, vous voyez qu'on a un THS qui s'est écrit. Donc, à la place de 1, là, je vais faire clear, voilà, j'enlève comme ça, et je vais mettre, alors regardez, parce que là, ça a redisparu, bien sûr, quand on n'a qu'un écran, c'est un peu le problème, voilà, bon, là, je suis obligé de vous montrer pour enregistrer, il faut que tout ça soit sur le même écran. Donc alors, ici, vous avez 0,9 up. C'est 0,9 up. Donc là, vous allez rentrer dans cette valeur, ici, après le 1, 1 slash up up.9, ou 0,9, comme vous voulez, ça revient au même. Hein. Donc, up, et alors, soit 0,9, soit 0,9 directement, ça reviendra vous-même. Vous allez voir, ça m'a marqué 0,9. OK. Voilà, 0,9. Et donc là, on est bien réglé. Ce qu'il faudra ici, c'est se mettre sur 24,5 hein, quand même. Alors, je vais redescendre, je vais me positionner, vous allez voir. Parce que ça, c'est le trim en fait. Hein. C'est ce qu'on vient de rentrer là, c'est la valeur du trim. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout de suite. Regardez bien. Alors, je vais me repositionner comme il faut pour qu'on soit bien positionné pour le regarder. Je vais me mettre ici, voilà, je vais me décaler avec les flèches de mon clavier, ici. Vous voyez qu'ici, on a une flèche. Et nous, on avait 24,5, on a dit, hein, notre centre de gravité, notre take-off centre de gravité. Donc, cette flèche, il faut la mettre entre 20 et 25 sur 24,5. Donc, ici, imaginez que 24, c'est à peu près là. Hein. Donc, 24,5, c'est entre 24 et 25. Donc, ça serait, voilà. Donc, si je me bouge là, voilà, là, je suis à peu près, vous voyez, bon, ici, ça donne là, sur 24,5, on est d'accord. Donc, pour savoir votre up, hein, regardez où on en est au up. Si vous voulez savoir si vous êtes bien réglé, moi, je me suis mis sur up 0,9. Quand vous vous êtes réglé là, eh bien, vous cliquez sur Flight Control. Voilà, et puis vous levez les yeux. Et ici, vous avez 0,4 up, donc c'est faux. Voilà, donc en principe, nous, il faudrait qu'on regarde ici et qu'on se règle pour savoir 0,9 là, eh ben il faudrait qu'on se règle ici jusqu'à arriver à 0,9 et 0,9 c'est là. Donc ici vous savez que vous êtes bien réglé. Voilà, hein, c'est pas plus difficile que ça. Si vous avez 0,9 ici, hein, eh ben c'est que c'est sur 0,9. Vous voyez? Donc c'est pas le centre de gravité quand on décolle en flex, c'est pas le zéro fuel weight centre de gravité que vous avez trouvé, c'est celui qu'on vous a donné. Donc ici, on s'est bien réglé à 0,9 up
et donc on est bon pour le décollage. Donc je repasse sur ma position ici, je vais repasser d'ailleurs en face de mon MCDU, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à remplir ici? Alors, il me reste à remplir déjà la température qu'on fait croire à l'avion qu'il fait à l'extérieur. On lui va lui dire, la température flex, c'est 61 degrés. Et c'est ça, ici, vous devez marquer 61. Donc 6, 1, et vous le rentrez ici. Voilà. Ça ne marche pas, j'ai dû... Voilà, j'avais déjà un 1 devant, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, je vais faire 61, et je rentre ici. Donc c'est bon, voilà. Maintenant, ici, on va rentrer. Qu'est-ce qu'il nous reste à rentrer? Il nous reste à rentrer les valeurs de décollage et bien sûr vérifier notre NADP2, hein, nos mesures anti-bruit au-dessus de l'aéroport, ici, hein, c'est-à-dire la réduction, l'accélération et l'engine out acceleration. OK. Donc ici, on va ressortir notre calcul. Ici, vous voyez, V1, c'est 144 nœuds. Vitesse de rotation 145 nœuds, V2 146. Vitesse de sécurité V2 146. Voilà. Et bien c'est ce qu'on va rentrer ici. 144, 145, 146. D'accord? V1, c'est la vitesse maximum à laquelle vous devez vous arrêter. Si vous voulez vous arrêter avant la fin de la piste, et bien c'est là où il faut mettre tout planté, hein, pour freiner. Voilà. Si vous êtes à plus, vous ne pouvez plus. VR, c'est la vitesse de rotation pour décoller. Et V2, c'est la vitesse, en fait, c'est la vitesse à laquelle vous décollez. Si tout d'un coup vous apercevez que vous n'avez qu'un moteur qui marche, eh bien il faut aller arriver à la vitesse de 146 pour tirer sur le manche pour décoller. Voilà, je vous ai expliqué grosso modo. Hein. Bon, moi comme je l'ai compris, mais que ceux qui savent mieux que moi peuvent peut-être l'expliquer mieux. Donc, voilà. Mais je vous ai expliqué ce que moi on m'a dit. Voilà. Et je pense que c'est la réalité. En fait, bon, voilà. Donc là, je vais rentrer 144 V1, 145 VR et 146 V2. Donc 144, 145, 146. Ah, zut. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas marché. Je recommence. 144. Voilà. 145. 146. Voilà. Donc là, on a bien rempli notre contrat. Ici, on va juste regarder maintenant donc notre NADP, hein, nos mesures anti-bruit, c'est-à-dire à quel moment on va pouvoir passer en climb, d'une certaine manière. Hein, quelle altitude on va pouvoir passer en climb après le décollage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, alors, regardez sur... On vole sur une compagnie, mettons que ça soit la compagnie Logan Air, hein, bon, qui est une compagnie, c'est celle que j'avais prise au départ. Bon, alors la livrée ne correspond pas, hein, c'est une livrée qui n'a d'ailleurs, je vais vous la montrer, hein, qui n'a rien, hein, de spécial, donc à la limite, c'est pas grave. Mais nous, on est sur Logan Air. Si on avait été, par exemple, sur EasyJet, eh bien, la NADP, pour cette première valeur, c'est 1000. Alors, uniquement pour EasyJet, hein, pour toutes les autres compagnies que je connaisse, eh bien, c'est 1500. Mais pour EasyJet, c'est 1000 plus l'altitude de l'aéroport. Nous, ça sera 1500 plus l'altitude de l'aéroport. Pareil, pour EasyJet, en accélération, ça sera 1000 plus 1500 pour la NADP2, toujours. Hein, voilà. Voilà. Pour EasyJet, ça sera 1000. Pour toutes les autres compagnies, c'est 1500 plus l'altitude de l'aéroport. Et cette valeur que vous voyez ici, c'est toujours la même que celle-ci. Pourquoi alors il y a tous ces chiffres? Eh bien, parce que, d'abord, là, c'est 1500 plus l'altitude de rapport, ou 1000 plus l'altitude. Voilà. Ça, on peut le régler, d'ailleurs, dans les réglages sur la tablette. Vous verrez, je vous le montrerai un de ces jours. En plus, ici, je vais peut-être vous le montrer tout de suite, d'ailleurs. Et là c'est donc la NADP2, aussi 1500. Si c'était la NADP1, qui est obligatoire sur certains aéroports, il faut lire les obligations pour les aéroports, hein, qui sont sur les cartes, hein, que vous devez avoir sur chaque aéroport, vous avez tout le briefing. Eh bien, si c'est une NADP1, ben là, pour toutes les compagnies, y compris EasyJet, c'est 3000 plus l'altitude de l'aéroport. Voilà. Et ici, bien sûr, à ce moment-là, ça sera la même valeur qu'ici, ici. D'accord? Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer quand même, peut-être,
Si j'y arrive, je vais faire CTRL 0 pour me remettre en face. Et vous allez voir ici, je pense que c'est ici dans les sim options. Ou alors, non, c'est pas là. Donc c'est dans autre chose, je vais revenir, hein, dans les settings. Sim options, c'est peut-être dans là-dessus, là, voilà. Peut-être là-dessus, voilà. Je me souviens plus à quel endroit. Non, c'est pas là non plus. Attendez, alors. Bref, il y a un endroit là où vous pouvez rentrer ces valeurs. Aircraft options, pin programme, c'est peut-être là. Voyez, regardez, c'est là. Vous voyez, dans aircraft options. Thrust reduction 8, 1500. Acceleration 8, 1500. Engine out acceleration 1500. Si c'était, si vous utilisez la MANADP 1, ou si vous avez d'autres prescriptions qui sont spécifiques pour certains aéroports, eh bien vous pouvez, si vous utilisez toujours les mêmes aéroports, ou si vous voyagez toujours avec EasyJet, eh bien pour la NADP 2, vous pouvez, si vous voyagez toujours avec EasyJet sur des aéroports où c'est la NADP 2, vous mettez 1000, 1000 et 1000. Ok ? Voilà. Et sinon, vous, pour tous les autres, vous mettez 1500, 1500, 1500. NADP 1, vous mettez 1500, 3000, 3000 ou 1000, 3000, 3000. Voilà, pour EasyJet. Voilà, je pense que je me suis fait comprendre. Voilà, très bien. Bon, on va revenir, hein, parce que maintenant, ça commence à faire longtemps qu'on est à la porte et donc on a dépassé le temps de l'APU. Bon, alors je fais CTRL 5 pour revenir sur mon... Voilà, donc on a tout vérifié ici. Tout va bien. Ah non, on n'a pas vérifié l'altitude de l'aéroport. Donc, pour vérifier l'altitude de l'aéroport, vous allez sur vos cartes. Vous allez sur l'aéroport en question. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Voilà. Oui, Glasgow, pardon. Donc, sur l'aéroport de Glasgow. Voilà. Et vous vous souvenez que... Alors, on regarde l'altitude de l'aéroport, pas l'altitude des pistes. Hein. Et vous voyez que l'élévation de l'aéroport, en principe, ici, c'est 26 pieds. Attention, c'est des mesures anti-bruit au-dessus de l'aéroport, c'est l'altitude de l'aéroport qui compte. Donc là, 26, ça serait arrondi à 30, puisque en dessous de 25, on aurait arrondi à 20, mais comme on est au-dessus de 25, eh bien, on est à plus de 25, donc on arrondit à 30 là. Donc, ça va s'arrondir tout seul à 30 d'ailleurs. Enfin, je vous montre. Voilà. Ici, on va donc mettre 1526. Vous allez voir. Zut. Il y a encore un 1 en trop. Je ne sais pas pourquoi ça me met un 1 sans arrêt là. 1, 1526. Vous voyez, 1500 plus l'altitude de l'aéroport qui est 26 pieds. Voilà. Voilà. Je mets un slash 1526 pour la deuxième. Pour l'accélération. Voilà. Et je mets ici. Et vous allez voir, ça va faire 1530. Eh ben non. Ça reste à 1530. Ah, voilà, 1530. Il a fallu qu'il réfléchisse un peu. Bon, voilà. Donc, il faut être patient quelquefois, ça met du temps. Voilà, alors, donc 1530. Et là, bien sûr, la valeur, il faut la changer aussi, puisqu'elle doit être à 1530, la même qu'ici. Hein, d'accord. Donc, on change ici et on va attendre. Parce que c'est un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça dépend peut-être des aéroports. Voilà, très bien. OK. Bon, alors, on a tout qui est juste. Transition, tout ça, c'est tout juste. Eh bien, on a fini de remplir notre take-off runway. Donc là, ça a été très long. Mais il nous reste à préparer notre atterrissage. Donc notre approche, notre phase d'approche. On va sur la phase d'approche, ici. On va nous demander le QNH. Donc ça, on le revérifiera, bien sûr, à l'arrivée. Hein, parce que juste avant d'arriver, on vérifiera le QNH de l'approche sur l'aéroport où on atterrit, la température au sol et le vent, hein, les composantes du vent. C'est-à-dire la direction du vent et sa force. Mais il y a une chose, si on atterrit en RNAV 21, c'est l'altitude de décision, qui est donc ce qu'on appelle barreau ici, qui ne va pas changer si on s'essaie sur la piste 21 RNAV. Là. Donc il y a une altitude de décision en fonction de votre approche, qui sera ici une RNP 21, et en fonction, bien sûr, du numéro de la piste. Bien, alors ça, on va vérifier. Donc voilà ce qu'on a à remplir. Et puis ce qu'il faudra vérifier, c'est l'altitude de transition, hein, à laquelle on sera obligé de changer notre QNH, passer de QNH standard à QNH réel. Voilà, au-dessus à l'aéroport. Bon, donc on regarde la carte, là c'est obligatoire, hein, pour lire ce qu'on veut savoir. Alors là, on ferme cette carte, on va sur l'aéroport d'arrivée, bien sûr, hein, puisque là on est à l'arrivée,
Et on va rechercher le barreau. Là, ça, c'est le plus important pour l'instant. Ça, on peut toujours le mettre en vol, hein. Mais là, le barreau, il faut quand même le chercher avant, parce que c'est long de lire les cartes. Bon, alors, enfin, je vais vous montrer comment on le trouve déjà, même si c'est pas très long de lire les cartes. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert les cartes de l'aéroport. Alors, je me suis trompé. C'est pas cet aéroport-là. Je ferme. Nous, ce qu'on veut, c'est les cartes sur cet aéroport-là. Voilà. OK. Voilà. Sur Nantes, donc. Et on regarde donc la carte d'approche qu'on a choisie. Hein, donc, on a dit que c'est RNP. Voilà. Final. Ah non. RNP par. Voilà. Voilà. C'est celui-là. C'est celle-là. Hein. Donc là, on devrait avoir en principe. Ben non, c'est pas celle-là. C'est encore une autre. C'est celle-là. Voilà. Donc voilà. Notre approche piste 21. On nous donne ici une altitude de transition, vous voyez, non pas à 6000, mais à 5000 pieds. Mais, ce que je vais vous dire, pourquoi souvent ici, on vous met une altitude qui est à 1000 pieds au-dessus de l'altitude de transition. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle aérien va sans doute vous donner souvent un niveau de transition qui est au-dessus de l'altitude de transition, qui est souvent à 1000 pieds au-dessus de l'altitude de transition. Donc, à la limite, vous pouvez garder 6000 parce que c'est peut-être ce que le contrôle aérien vous donnerait avant d'atterrir comme altitude de transition. Mais dans le jeu, ça marche pas, ça. Donc, ben, on va le remettre à 5000, hein, tant pis. Nous, on n'aura que ça et ça sera le jeu. Donc, on le met à 5000. Mais c'est pourquoi, je vous explique pourquoi ils mettent 6000 ici souvent, parce que c'est souvent ce qui se produit au niveau, on vous donne un niveau de transition au niveau 60, puisque l'altitude de transition ici est à 5000 et qu'on parle d'altitude qu'à partir de 5000 pieds, bien sûr. Puisque l'altitude de transition étant à 5000, à 6000, on est en niveau. Donc on est à 60, par exemple, au niveau 6. À 6000 pieds, on est au niveau 60. Voilà. Bien. Et puis, alors, le barreau, on va le regarder maintenant. Je le ressors là. OK. Le barreau. On le cherche, il est là. Vous voyez, DA, MDA, altitude de décision, c'est ça. Eh bien, il faut regarder les minimums. Et pour nous, vous voyez, CDFA, c'est 530. Voilà. Nous, ça sera 530, notre barreau. 530 pieds. Voilà. 530 pieds qui vont se retrouver écrits ici. Vous voyez? Ici. Voilà. OK. Bien. Alors, c'est rentré. Maintenant, on va regarder le QNH. Alors, le QNH, il y a plusieurs manières de le savoir. Je vais vous en montrer une qui est intéressante pour l'instant et dont vous pouvez vous servir en vol. C'est, regardez, alors je vais me remettre en position pour bien voir. Ici, vous allez là, vous allez sur votre MCDU, vous allez sur MCDU menu, ici, vous allez sur A-dessus, vous allez sur AOC menu. Et là, vous avez WX request, ça veut dire weather request, et demande du METAR. Donc là, vous avez le choix entre METAR ou TAF. Vous, ce que vous voulez, c'est METAR. Là, vous avez déjà tous les aéroports qui font partie de votre vol qui sont renseignés. Aéroport de départ, aéroport d'arrivée, aéroport alternatif à Bordeaux. Voilà. Donc ils sont là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vérifié, vous faites send. Vous attendez, il y a marqué send, ça veut dire que ça a été envoyé. Ensuite, vous retournez sur AOC menu et vous allez ici dans Received Message. OK? Et là, vous voyez, il y a marqué New, ça veut dire qu'il y a un nouveau message. Et pour le lire, eh bien, vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les valeurs dont on a besoin pour remplir nos performances d'approche. Bon. Provisoirement, mais on pourrait le faire pendant le vol aussi. Alors, comme on ne pourra pas laisser ça allumé et qu'on ne va pas se souvenir de tout, hein, eh bien, on va l'imprimer. Donc, vous faites print. Et quand vous faites print, regardez, vous regardez ici. Et là, vous avez un papier qui sort avec l'impression du métar des aéroports que vous avez demandé. Voilà. Donc, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez ici avec le métar. Alors, l'aéroport qui nous intéresse, c'est Lima Foxtrot Romeo Sierra. Donc, regardez, ici, vous avez la force du vent avec sa direction.
sa direction et sa force ici. Ici, vous avez la température au sol, 13 degrés. Et vous avez le QNH qui est à Q, vous voyez, à 1001. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on va rentrer. Voilà. Donc, on va rentrer 200. Alors, vous voyez, il y a... qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le vent vient du 240 à 17 nœuds, mais qu'il y a des rafales à 31 nœuds. Vous voyez? Vous avez des rafales à 31 nœuds, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous, on va rentrer pour l'instant 240-17. C'est pas grave, puisque de toute façon... alors, on revient sur perf, on retourne sur la phase d'approche. Voilà, et ici, on va rentrer donc 1011, hein, c'est le QNH. Voilà, la température au sol qui est donc, on a dit, à 12 degrés, il fait pas froid à Nantes, hein. 12 degrés, c'est bon. Par rapport à Glasgow, hop, format terrain, clear. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 12? Ça veut pas rentrer 12? Ah, c'est 13 en plus. Je me suis trompé, c'est 13. Donc, je vais faire 13, mais ça ne devrait rien changer. Théoriquement, ça devrait rentrer là. Voilà, 13. Et puis, le vent, donc, on a dit 247. Allez, on va mettre 247. Hein. 240/17. Voilà. Donc, c'est un vent assez fort hein, avec les rafales, vous voyez. Il y a des rafales à 31 nœuds quand même. Hein. Bon, mais enfin, on va rentrer ça. Ça peut changer, de toute façon on le modifiera juste avant l'arrivée, ça, hein, pour mettre les valeurs qui correspondent réellement à celles qu'on aura à l'arrivée. Bien, et bien là on a tout rempli, et bien vous voyez, maintenant on est prêt au décollage. Alors ce que je vous propose là, parce que là ça va faire trop long, je vous propose de faire cette première partie sorte de tuto de ce vol en tout cas, hein, et puis d'aller jusqu'au seuil de piste, et puis ensuite je ferai le vol. Sans doute cet après-midi, mais je vous le diffuserai en deux parties parce que ce tuto il est très complet. On va regarder maintenant les phases de vol, hein, celles qu'on va comparer bien comme il faut les phases de vol avec ce qu'on nous dit sur les cartes. C'est la dernière chose que je voudrais faire avant de demander l'autorisation de roulage. Hein. Donc on va le refaire ensemble. Donc je vais me positionner ici sur le plan de vol parce qu'on a fini ça. Le plan de vol, il est là. Ici, je vais me positionner. Eh bien, on va voir. Je vais vous présenter les cartes. Voilà, je vais vous présenter les cartes ici. Alors, on va regarder donc. Alors, celle-là, je vais l'afficher. Hein, voilà, OK. Il y en avait une autre que j'aurais voulu afficher. C'est celle-ci, je crois. Donc, voilà. Donc là, voilà. Et puis, il y a celle de la... Donc là, on est sur... Je vais mettre le taxi pour avoir la carte de l'aéroport. Voilà. Très bien. Je vais la prendre aussi. OK. C'est bien. Bon, là, j'ai toutes les cartes. Celles qui nous intéressent pour commencer, ce que je veux vous montrer, c'est ici que ça se tient. Donc, on va revenir au début. Zut. C'est là. Voilà. Et donc, on va revenir au début sur cette carte-là. La carte de montée, donc hein, la carte de SID. Voilà. Donc on va la sortir. Là voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de SID? On va bien regarder. Et en même temps, on regardera à côté. Je vais me passer en plan. Je vais agrandir ça. Voilà, vous savez comment faire maintenant. Et je vais regarder ça présent ici. Et puis ici, j'appuierai sur la flèche. Ah non, ça ne marchera pas. Oui, alors on va regarder avant parce que sinon on ne comprendra pas. Donc ça, c'est notre SID. Hein. Donc on va partir par cette piste-là. Alors, on va, pour que vous voyez bien, je vais faire quelque chose qui est très pratique avec Navigraph, c'est qu'on voit notre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme contraintes? C'est les contraintes que je voulais montrer hein, pour notre départ. Les contraintes de départ, donc de SID, c'est 6000 pieds à Phénix et 6000 pieds à Lusive. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Je ne vois pas de contrainte de vitesse. La seule contrainte de vitesse qu'on aura, c'est en dessous de 10 000 pieds. C'est donc 250. Hein. Puisque là, on sera en dessous de 250. Mais vous voyez qu'à Lusive, on sera à 250 et pile à 6000 pieds. Et qu'après, on pourra commencer à monter jusqu'à notre... d'abord, à ce qu'on nous dira,
Hein, le contrôle nous dira, mais à notre altitude de croisière. Vous voyez que de toute façon, nous, on nous a donné une initial climb clearance à 9000 pieds. Donc déjà, c'est à partir de l'usive qu'on va commencer à monter à 9000 pieds. Voilà. Donc ici, on sera à 250 tout le long et jusqu'à 10000 pieds. Donc là, il faudra qu'on nous donne une autre altitude ou qu'on la demande, hein, pour continuer à monter. Et c'est à partir de 10000 pieds qu'on pourra accélérer jusqu'à 290. Mais, regardez, on est à Phoenix à 6000 pieds. Il faut qu'on soit pile à 6000. Or, qu'est-ce qu'on a vu sur notre carte tout à l'heure? C'est que, on ne l'a pas vu sur cette carte-là, mais on a vu, je vais me remettre là, on a vu que l'altitude de décision à Glasgow, c'est non pas 5000 comme à Nantes en France, mais 6000 pieds. Donc à partir de 6000 pieds, notre vitesse pourra augmenter. On est d'accord. Pas notre vitesse. J'ai rien à voir avec la vitesse, pardon. La vitesse restera à 250. Non. Ce que je voulais vous dire, c'est le QNH. Vous voyez, le QNH, à partir de 6000 pieds, on sera obligé de le passer en standard. Donc, à partir de l'usive, c'est sûr, il faudra qu'on soit en standard pour le QNH. Voilà, c'est obligatoire. Bon, à Phoenix, à mon avis, comme on est encore dans le parcours de départ, je pense qu'on peut encore rester en QNH, normal, hein, normal qu'on nous a donné, hein, c'est-à-dire le QNH qu'on a ici, 29,50, mais après, il faudra passer en QNH standard. Voilà. OK. Bien. C'était ce que je voulais vous dire pour cette phase du vol. Alors, on va passer... Alors, on va regarder ce que je viens de dire, là, pour que vous voyez bien. Je vais passer dans un plan où on voit plus. Voilà. Vous voyez, nos altitudes, elles sont là, l'usive. Hein. On a le niveau 60. Ce que je vois, hein, mais de toute façon, c'est pas grave parce que même si on a, puisque l'usive c'est après l'autre point, hein, qu'on nous a donné, hein, même vous voyez que c'est à l'usive, l'autre point, je ne me rappelle plus son nom, mais on sera forcément à pas plus de 6000 puisque on sera à 6000 maximum ici. Donc il n'y a pas de problème. Cette contrainte est suffisante. On n'a pas besoin d'avoir les contraintes d'altitude avant puisque c'est bon. Allez, on va continuer et puis. Alors, vous voyez qu'ici, par contre, on arrive au niveau 9000, que après, si on continue à monter, hein, eh bien, on aura la contrainte de... Donc, ici, à partir d'ici, on commence à monter à 9000. Ici, on arrive à 9000. Et si on continue à monter avec la même pente, on arrivera ici à l'altitude de 10000 pieds, qui nous permettra d'accélérer notre vitesse jusqu'à 290. Puisque là... Jusque-là, on est obligé de rester à... jusqu'à 10000 pieds, on est obligé de rester à 250. Bien, voilà. Alors, je continue pour vous montrer l'arrivée maintenant. Donc là, ça va. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Là, on va commencer à voir des contraintes. Déjà, ici, on a notre top of descent qui est juste avant Rennes, hein, vous voyez, qui est à 5 nautiques de Rennes. À peine 5, 4, voilà. Bon, ça déjà on le voit, vous voyez, cette flèche qui descend comme ça, qui part en niveau, puisqu'on est au niveau là, on est au niveau 250, et là on voit que ça descend, donc c'est là qu'on va commencer notre descente. Ok, on le calculera ça, on le recalculera de toute façon. Et ensuite, je continue, après Rennes, il y a Godan, et Godan, c'est donc le début de la star. Et le début du chemin de descente. Hein. Alors, vous voyez qu'on doit être à Nittem à une altitude inférieure à 100. Et qu'on doit être à Papa Sierra 404 à 3000 pieds. Bon, donc, ici, il va falloir prendre une pente assez forte quand même, hein, à partir de Rennes. Parce que vous voyez qu'il faut descendre jusqu'ici. D'ailleurs, ici, vous avez un rond qui nous dit... Sur ce point-là, alors regardez, ici, les contraintes, elles sont bien là. On voit qu'ici, on sera bien à un item en dessous de 100, puisqu'on sera au niveau 88. Qu'à RS404, on sera toujours dans les clous, puisque là, on sera à plus de 3000.
Donc c'est en rose. Hein. Donc voilà, quand c'est en rose, ça veut dire qu'on est dans les clous du profil. Et si on continue, regardez, on a India Romeo Sierra de 1 qui est là. Et là, on voit que sur Romeo Sierra, donc là ils disent F Romeo Sierra, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est celui-là. Hein. Ah non, c'est sur Foxtrot Romeo Sierra 21, là, vous voyez, ici. Donc c'est celui-là, sur ce point-là. On devrait être à 3000 pieds et on est ici à 2480. Donc il faudra faire attention ici de rectifier. Ça veut dire qu'ici, sur ce point-là, si on regarde notre carte, on va le regarder. Si on est sur ce point-là, alors on regarde la carte d'approche. C'est celle-là. Regardez bien. Donc sur Foxtrot Romeo Sierra, on doit être à 3000 pieds. Donc, vous voyez que si on ne rectifie pas, nous, en tant que pilote, manuellement, cette descente, c'est-à-dire si on ne demande pas, là, il faudra arrêter d'être en descente gérée. Hein. Il faudra que ce soit en pilotage, là. Qu'on pilote de manière à rester à 3000 pieds ici et commencer notre descente seulement sur ce point qui s'appelle donc Foxtrot Romeo Sierra de 1 avec un angle de 3,10 degrés, 3,10 pour descendre jusqu'à notre altitude de décision, puis notre piste qui est, vous voyez, à 90 pieds à Nantes. Hein. Vous voyez? La piste est à 90 pieds, c'est marqué là. Hein. Donc on passera de 3000 à 90 pieds en, mettons, 5, 6, 7, en 7 nautiques, en 7000 et demi. Hein. Donc ça va être, la pente, c'est 3,10 en principe là, hein. C'est marqué. Voilà. Donc, mais là, on doit rester jusqu'ici à 3000 pieds. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est pas rose, c'est orange. Parce que vous voyez qu'en suivant la descente telle qu'elle est prévue, on arriverait trop bas. Voilà. Hein, d'accord. OK. D'accord. Bon, et vous voyez qu'on n'arrive pas face à la piste là. Il va falloir tourner. Alors, non seulement on aura notre descente à gérer, mais il faudra aussi gérer l'axe de la piste. Hein. Voilà. Vous voyez? C'est intéressant quand même de voir ça. Voilà. OK. Bien. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Vous voyez comment va se dérouler notre descente? On n'arrive pas dans l'axe. On n'arrive pas dans l'axe. Hein. Il faut se diriger vers la piste quand on est là, ici, à MAPTS. Hein. C'est là, à MAPTS, qu'on prend la piste. Hein. MAPTS, c'est donc. Alors, je dis MAPTS parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est Mike Alpha, Papa, Tango, Sierra. OK. Bon, eh ben sur Maps, hein, voilà, c'est ce point qui est à pratiquement à la piste. Hein, je ne sais pas combien il y a là. C'est pas marqué. Hein. On est pratiquement à la piste sur ce point. Maps, voilà. Il faut tourner pour se mettre face à la piste. Ok, c'est pas quelque chose de facile. Donc on ne le verra pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Ok, je ferai la. Bon, voilà. Donc là, on a tout vu. Donc je peux fermer ça. Je peux maintenant retourner donc ici sur Flyplan, hein, pour être au début du plan, me remettre ici en ARC, me remettre sur 10 pour le décollage par exemple, okay, pour bien voir le point là, et puis demander l'autorisation de roulage. Mais premièrement, il faut que je me règle avec ce que j'ai mis pour mon décollage. Hein. Donc ici, déjà vous avez vu que mes moteurs, heureusement, ils n'étaient pas démarrés, hein, donc c'est bon. Mais ils n'étaient pas dans le bon sens, donc ça, il faut le vérifier. Hein. Donc là, je l'ai vérifié, donc c'est bon. Maintenant, je me mets ici, j'arme mes spoilers. Oui, il faut voir la petite virole grise là. Je vais mettre donc, comme on a demandé, mes volets en position 1, là. Et ici, là, ça a l'air d'être bon. Hein. Il n'y a rien de spécial. J'ai fermé la porte. Tout va bien. Donc ça, je peux le jeter, j'en ai plus besoin. J'en demanderai un autre
pour l'arrivée. Voilà. Donc je clique dessus pour le jeter. Et ici, je vais donc demander le repoussage. Mais avant, donc, je vais allumer mon beacon. Et vous avez vu que les passagers, on prévient les passagers qu'on va bientôt bouger. Je vais faire ma demande ici de repoussage. Demande de roulage, pardon. Alors, demande de roulage IFR. On va me donner des informations importantes. Alors, on me donne les voies que je dois utiliser pour aller jusqu'à la piste 23 en taxi. Donc, on va passer par les voies L, G, enfin Lima, Golf et Alpha. Alors, on va sur l'aéroport et on regarde. Je suis là. Donc, Lima, c'est là où je suis. Golf, c'est là. Et Alpha, c'est là. Donc, on va suivre. Donc, je vais me faire repousser vers la gauche, en fait. Puisque je vais me faire repousser vers Lima, là. Je vais aller vers Golf. Et là, je vais me diriger vers Alpha. Voilà. Et puis, je vais aller jusqu'ici, jusqu'à Alpha, hein, qui sera Alpha 1, qui sera mon seuil de piste. Voilà. OK. Alors, c'est moi. Il faut que je réponde, hein, excusez-moi. Du coup, je vous expliquais, mais j'ai oublié de répondre, donc je vais répondre. Voilà. J'accepte l'autorisation de roulage. Et maintenant, je vais faire une demande de repoussage. Alors, pour le repoussage, vous savez que maintenant, on a ce pushback helper, là, qui est quelque chose qui nous permet de prévoir notre repoussage. Bon, bien sûr, il faudra que je vérifie aussi, que je mette la tête autour de l'avion, pour savoir s'il n'y a plus rien autour. Mais en principe, tout le monde a disparu, là. Ça devrait être bon, je pourrais être repoussé. Donc là, je vais me régler, hein. Alors, pour dézoomer, j'appuie sur CTRL sur mon clavier, et puis je fais rouler ma roulette pour essayer de voir. Voilà, à mon avis, c'est sur cette ligne qu'on doit être, à mon avis, là, pour partir. Donc, je vais aller un peu moins loin, mettons jusqu'ici, tout droit. Voilà, je clique. Ça me positionne. Je vais faire tourner mon avion dans le sens où je veux qu'il parte, là, avec la roulette, sans appuyer sur contrôle, là, par contre. Puis, je vais positionner mon avion à un endroit vert, là, où il est toujours vert, bien sûr, de manière à ce que on me dépose à cet endroit-là pour pouvoir avancer bien dans l'axe. J'ai cliqué. Maintenant, c'est bon. Mon avion, je voudrais qu'il soit là. Je vais appuyer sur « Entrée » sur mon clavier. Et là, vous voyez, ça se met en rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est si grand, là. J'ai dû faire un truc, voilà, que je ne comprends pas. Ça va se faire plus petit. Je pense que c'est, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Bon. Donc là, je vais demander le repoussage. Hein. Donc, je peux le demander par là ou par là, mais je vais le redemander par là. OK. Et à ce moment-là, le repousseur va se mettre en place. Alors, je jette un œil dehors, déjà, pour voir le repousseur se mettre en place. Et théoriquement, vous voyez, je ne suis plus relié à l'avion, il n'y a plus rien au sol, il n'y a plus rien qui me gêne. Hein. Voilà. Pour le décollage, il n'y a plus là. Toutes les portes sont fermées, j'ai enlevé le générateur, j'ai enlevé les. Voilà, on a retiré le système de bagages et la restauration aussi, tout va bien. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en train de se mettre en place. En principe, on voit qu'il s'est mis en place, il y a un sursaut là, vous allez voir. Bon, théoriquement, dans ces, je vous le dis, c'était prévu qu'avec ce système de repoussage, on ait aussi la parole. Mais depuis quelque temps, ça ne marche plus. Je ne cherche pas à savoir pourquoi. Bien, on va se faire repousser. Donc, bien sûr, il faut que je remette mon pushback. OK. On va se faire repousser. On va attendre qu'il revienne, là, le pushback. Il n'y est plus. Comment ça se fait? Allez, voilà. Il est là. Donc, repoussage. Je vais... Donc maintenant, ils me disent qu'il faut desserrer le frein de parc, ça je vais le faire. Mais avant, je vais vous expliquer ce que je vais faire. On va se faire repousser vers la gauche, donc comme on vient de voir. Au moment où ils vont commencer à me repousser, on va avoir une discussion avec celui qui s'occupe du repoussage. Et donc, il va me dire, bon, attention, votre frein est serré, etc. Et au bout d'un moment, il me dira, tout est prêt, retirez votre frein de parc. Et il me dira, vous pouvez mettre en route les moteurs, et moi je confirmerai, je vais mettre en route les moteurs. Voilà.
Hein, d'accord. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc là, regardez, je desserre mon frein de parc. Alors là, j'ai un bouton, moi, sur mon. Voilà, je le desserre comme ça. Je mets ce bouton ici que vous venez de voir bouger sur la position Start. Et je clique ici sur Maintenir pour dire qu'on arrête de maintenir. Et je commence à repousser. Et maintenant, j'engage mon moteur numéro 2. On commence par le numéro 2, c'est comme ça. Voilà. Et on va l'entendre qui se met en route, bien sûr, à condition d'être bien en APU bleed ici. Hein. Que l'APU soit en route, bien sûr. Et d'être en APU bleed. Voilà. Donc on est repoussé. Vous allez voir le moteur se mettre en route. Ici. Petit à petit, il va se mettre en route. On peut faire les tests des flight control, hein, si on veut. Voilà. Donc tout marche bien, apparemment. Voilà, donc on s'est repoussé. Vous voyez que là, on est en train de tourner, apparemment. Il nous a bien positionné. Très bien, on va regarder l'extérieur. Vous voyez, on est bien positionné, comme on avait demandé, pour partir dans ce sens-là. C'est très beau, hein, Glasgow. Alors, maintenant, il va partir. Hein, voilà. Je vais mettre mon frein de parc, moi. Je remonte dans mon avion. Je mets mon frein de parc, vous allez voir. Voilà, je viens de le mettre, il est là. Vous voyez. Et maintenant, on attend que le repousseur s'en aille. Voilà. On lui dit merci, il nous dit ben d'accord, je repars, vérifiez bien que. Et nous, moi, je réponds oui, je vérifie bien que vous êtes parti pour avancer. Voilà. Alors, pour avancer, on va attendre que déjà le premier moteur ait démarré. Le premier moteur, on vérifie qu'il a démarré si on n'était pas à l'intérieur au moment. Vous voyez, il a démarré parce qu'ici, on n'est plus en faute. Donc, ça me dit que je peux mettre mon deuxième moteur en route en poussant ici. Voilà. Vous avez vu ici, ça s'est mis en route là. Et on va entendre le moteur qui se met en route. On peut d'ailleurs se positionner, se repositionner ici. Là, je suis sur Flight Control. Voilà. Là, vous allez voir les moteurs qui se mettent en route. Voilà. Donc, on va monter là exactement par. Il va y avoir les gaz d'échappement qui vont se stabiliser comme dans l'autre cas. Voilà. Alors, ce que je peux faire pendant que ça démarre, c'est déjà mettre ici. Mais feu de taxi, puisqu'on va rouler en taxi. Donc vous voyez, je mets la première position de ce feu. Voilà, c'est bon. On éteindra l'APU et l'APU bleed et l'APU dès que les deux moteurs sont en route. Le deuxième moteur, je saurai qu'il est en route quand ici, gêne 1, pardon, va s'éteindre. Hein, voilà. Le mot fault va s'éteindre. Ça voudrait dire que le générateur est en route et que donc je n'ai plus besoin de l'APU. Donc, je vais arrêter l'APU bleed et je vais arrêter l'APU puisque j'en ai plus besoin. Dernière chose à faire, maintenant que les moteurs sont en route, c'est remettre le bouton qui est sous les moteurs là sur norme. Alors, je vous le signale, maintenant, en ce moment, depuis quelque temps, sur la 32NX version expérimentale, il faut revenir sur crank et se positionner sur norme pour que le bouton se positionne bien sur norme. Donc je vous le dis, bon, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Voilà. C'est depuis quelques temps, c'était comme ça. C'est pas comme ça avant, mais depuis quelques temps, c'est comme ça. Bon, ben voilà. Donc on va passer, vous vous souvenez, ce qu'on nous a dit. On va passer par L, donc on y est, G tout droit et A ici. D'accord? Ok, on y va. Alors, pour y aller, on va se servir, bien sûr. Si vous l'avez programmé, on va se servir de ce volant qui est là. Hein. Et regardez, je l'ai mis sur un autre joystick de manière à ne pas me servir du palonnier et donc de la dérive hein, pour avancer en taxi. Voilà. Donc, j'enlève mon frein de parc. Vous allez l'entendre. Voilà. Et j'accélère un peu. Voilà. Donc, j'accélère. J'accélère doucement. Et je conduis en restant bien sur la ligne. Cette vis ici doit être en face du. On est bien sur la ligne quand cette vis est en face du trait jaune. Voilà. Donc on fait attention aussi à la vitesse. Et je suis déjà à 8 nœuds. Quand on tourne comme ça, il vaut mieux rester aux alentours de 10 nœuds maximum. Hein. Donc là, je suis à 9, 8, 6. C'est bon. OK. Donc là, je vais tourner ici. Principe, hein. J'essayais de pas me tromper. Voilà.
et je vais suivre mon départ. Il n'est pas facile ici d'ailleurs, il est un peu tortueux, mais enfin c'est celui-là. J'en suis sûr parce que je regarde sur la carte en même temps. Donc ça y est, on est sur A là. Donc on va aller sur A jusqu'au bout. Voilà. Et sur A, enfin on est encore sur G si vous voulez. Mais là, A c'est là en fait. Hein. C'est bon. Le problème c'est que, et là je vais vite, mais le problème c'est qu'ici, vous voyez, on voit pas les, il n'y a rien marqué. Alors donc, on fait comme si on voyait. Donc là c'est A, je vais tourner sur la gauche. Voilà. Et maintenant qu'on est sur la gauche, qu'on a tourné sur la gauche, on peut aller jusqu'au bout, par A, jusqu'à A1. Où on verra le panneau du seuil de piste, rouge. Ok. Et là, vous voyez, on est bien sur A. Si vous regardez ici, il doit y avoir marqué A. Oui, c'est ça, A. Donc on va jusqu'à A1, tout droit. Tout droit là-bas. Par A. C'est toujours A, là, jusqu'au bout. Voilà, donc on avance. On fait bien attention de ne pas dépasser la vitesse maximum, qui est maximum de 20 nœuds, hein, mais on peut freiner hein, quand même. Là, vous voyez qu'on a une entrée ici de décollage et c'est là. Voilà. Donc non, c'est pas là, on continue, pardon. Ça c'est l'autre piste. Continue. Ouais, là, je sais pas ce que je vois là. Là. Ça ne correspond pas à ce que j'ai sur ma carte. C'est interdit là, vous voyez, c'est un endroit qui maintenant sur les cartes, je vais vous montrer. Là, on est là. Vous voyez, maintenant c'est interdit là. Donc je ne sais pas pourquoi ça y est encore. Nous, c'est là-bas. C'est pour ça que je voyais 21 là, je ne comprenais pas. Mais non. Ok, on va continuer. Ça doit être. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est une ancienne piste, je ne sais pas. Voilà, donc on va continuer. C'est encore long. Bon, alors, on va aller jusqu'au bout de la. Au seuil de piste. Au seuil de piste, je vais faire tout ce qu'il y a à faire au seuil de piste. Hein, je vérifierai tout. Je vais demander l'autorisation à la tour. On va me redonner un QNH, etc. Très bien, je vérifierai tout. Une fois que tout est vérifié, je commencerai à avancer. Je me centrerai bien comme il faut face au décollage, mais je mettrai mon frein de parc à ce moment-là, et j'arrêterai la vidéo à ce moment-là, comme ça vous aurez vu tout ce qu'il y a jusqu'au décollage. Et ensuite, j'effectuerai le décollage dans une autre vidéo. Voilà, comme ça fait des vidéos, déjà celle-là est très longue, mais je voulais vous refaire un... J'avais jamais fait de Cold and Dark complet, de révision au tuto, hein, de tuto révision Cold and Dark. Alors c'est pas ça notre piste, là c'est le B, là, nous on va au A. Voilà. J'avais jamais fait depuis qu'on a la Vénave. Donc je voulais vous montrer le Cold and Dark avec la Vénave. Il y a quelques petites choses qui changent, bien sûr, à mesure que la 32NX version expérimentale se développe, et que la 32NX tout court se développe. Donc Flybyware nous donne des choses magnifiques. Eh bien, je voulais vous montrer le Cold and Dark complet. Dans une vidéo, dans un tutoriel de révision avec le AirNav. Parce que dans mes vidéos, vous avez bien sûr des Cold and Dark, vous en avez plusieurs, mais de la 32NX, mais vous n'aviez pas, jusque-là, le Cold and Dark complet, expliqué complètement, enfin, expliqué par moi, hein, je vous dis bien, expliqué par moi. Voilà. Donc là, on va arriver au seuil de piste, je pense que c'est là. Parce que vous voyez, il y a deux. Alors, il n'y a pas de panneau. Donc, je pense que c'est là. Il y a pas. Ah, si, le panneau, il est là. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Donc, on va bien se mettre contre le seuil de piste pour pouvoir parler à la tour. Mais avant de parler à la tour, bien sûr, on va faire tous les réglages qu'on a à faire. Hein. Voilà. Voilà. Là, on est au seuil de piste. Je mets mon frein. Je regarde pour vérifier que je suis bien au seuil de piste. Voilà, je suis au seuil de piste, je suis bien aligné comme il faut. Voilà, je vais pouvoir demander... Alors, à l'intérieur de l'avion, voilà ce que je fais. Donc, vous voyez, j'ai mis mon frein de parc. Ici, je vérifie que ma porte est bien fermée, que le signal
anti, comment ça s'appelle, de cisaillement, anti-cisaillement, et bien sur, je sais plus ce que c'est sur auto, voilà. Ensuite, là, je mets mon TICAS sur TARA et je mets mon transpondeur sur ON. Voilà. C'est bon. Ces deux boutons, c'est très important. Une chose que vous devez faire maintenant, que les moteurs sont démarrés, c'est mettre les autobrakes sur max, de manière à pouvoir, à la vitesse V1, hein, quand on arrivera à V1, freiner au maximum au cas où vous voudriez vous arrêter. Hein, voilà. Voilà. Eh bien, on va faire maintenant, on va prévenir la tour qu'on veut décoller, mais avant, on va bien sûr allumer nos feux. Donc les feux strobe, hein, sur on. Là, comme on va tourner là, sur la piste, vous voyez, on va tourner là. Donc je mets mes feux de tournage sur piste là. J'allume mes feux d'atterrissage, bien sûr. Ça, c'est donc les deux positions. Et je passe de taxi à take-off ici. Voilà. Donc là, on est bien comme il faut. Comme je vais décoller en flex et que j'ai décidé, vous voyez, j'ai préviens les cabines là, ça y est. Vous entendez le bruit? Vous entendez la petite sonnerie? Et puis, oui, comme je vais décoller en flex, vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait éteindre les PAX, qu'on rallumera une fois le décollage terminé. Hein, voilà. OK. Donc j'enlève PAX 1 et PAX 2. Vous allez entendre le bruit change. Et puis, ici, vous allez. On va demander à la tour de l'autorisation de décoller. Donc, je règle sur Glasgow Tour et je demande une autorisation de décollage IFR à Glasgow Tour. Voilà. Et j'écoute ce qu'on me dit. Point d'arrêt, piste 23, c'est moi qui parle. Piste 2-3, en fait, on dit. Et 29-50, je vérifie mon QNH, il est bon. Le vent, il me donne la force du vent, donc ça, il faudra y tenir compte. C'est ce que j'avais renseigné, je pense. Hein. Je peux le renseigner maintenant, si je veux, vous savez. Ils m'ont donné. Donc j'accepte l'autorisation. Je vérifie le vent. 232 à 7. Bon, ben c'est bon. Hein. Voilà. Et je vais avancer jusque. Et j'arrêterai donc ici. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter ici. C'est l'heure pour moi d'aller déjeuner. Allez, j'avance. Je fais. Et je commence à avancer. J'enlève mon frein de parc. J'accélère un peu pour avancer. Je vais me centrer et je fais ma Théo config. Regardez la Théo config, c'est là. Voilà, je clique là-dessus et si ça ne se met pas à sonner, c'est que tout va bien. Bon, là, avec mon volant, en essayant de ne pas aller trop vite, parce que vous voyez, je vais trop vite là. Je freine. Je freine, je freine, je vais trop vite là. Je vais essayer de me régler bien comme il faut au centre, de manière à pouvoir décoller ensuite. Et c'est là que j'arrête. Donc, je vous dis, les amis, je vous dis à bientôt pour le vol. Je vais aller déjeuner et on se retrouve. Alors, je vais diffuser cette vidéo d'abord et de Cold and Dark. Et puis, voilà. Donc, je m'arrête ici, vous voyez, au décollage. Je mets mon frein de parc et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ou à bientôt, en tout cas. Hein, ça sera dans une autre vidéo. Allez, à bientôt, les amis.